Et bonsoir, donc, pour cette conférence qui a pour objectif, donc, de vous inviter à découvrir comment accéder aux annales akashiques et à la connaissance universelle en 5 étapes. Donc, l'objectif de cette conférence-là, bien évidemment, c'est donc d'aborder un sujet qui est un peu à la mode. Les annales akashiques, c'est quelque chose, évidemment, qui existe depuis très longtemps dans le milieu ésotérique, hein. On reconnaît que c'est un lieu comme une genre de bibliothèque universelle dans lequel le savoir universel pourrait se retrouver. Alors, je vais donc aborder cela dans cette conférence-là en vous présentant 5 étapes vous permettant de pouvoir arriver à développer, hein, avoir des idées de comment vous pouvez le développer. Mais d'abord, je vais quand même me présenter parce que peut-être des gens qui ne me connaissent pas, je ne vais pas le faire en long et en large, mais je vais quand même vous dire que mon nom est Sylvain Bélanger, donc une première information qui peut être intéressante pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça fait bon, plus de 25 ans, je me rapproche des 30 ans probablement de pratique intuitive, ce qui veut donc dire que je pratique des lectures intuitives auprès de personnes depuis environ 30 ans. Ça veut donc dire que je fais plusieurs milliers de consultations avec des personnes avec différents types de problèmes, que ce soit des problèmes de santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou encore spirituelle. Donc, il y a eu énormément donc, de situations que j'ai rencontrées, de diverses problématiques que j'ai pu rencontrer tout au long donc de ces consultations-là. Et ça m'a amené donc progressivement à développer donc une approche thérapeutique que j'enseigne aujourd'hui maintenant, que j'appelle la pleine conscience intuitive et qui a déjà été nommée l'écoute imaginaire dans une première étape. Pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, c'est l'écoute imaginaire que j'avais nommé l'approche parce que je considère que l'imaginaire, c'est un véhicule me permettant de voyager en moi et de voyager vers un partenaire. Et à travers ce voyage que j'effectue en moi ou vers un partenaire, je constate qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester par le biais du support imaginaire. Et quand j'interagis avec ces perceptions-là, ben je découvre effectivement qu'il y a une forme de langage intuitif qui se manifeste en moi, qui existe en moi, et que quand je lui fais confiance, ben, il y a quelque part, il se manifeste, il peut me communiquer, me transmettre de l'information. Puis évidemment, à travers cette démarche-là de décodage intuitif, on peut ensuite évidemment interagir avec ces informations-là pour les déprogrammer, c'est-à-dire de les libérer de leur programmation mémorielle. Par exemple, si j'ai en moi donc un enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben, je peux interagir avec cet enfant qui se sent abandonné pour le déprogrammer, pour le libérer, pour le dégager. Et alors, je vais donc constater qu'il y a comme je vais donc accéder à son potentiel évolutif, c'est-à-dire que plus l'énergie d'abandon se transforme, qu'elle se libère, que l'enfant ne se sent plus dans un état d'abandon, ben à ce moment-là, j'accède à un potentiel évolutif qui finalement que je n'étais pas en mesure de communiquer avec parce que j'étais trop identifié à cette souffrance d'abandon. Alors, plus je transforme la mémoire, plus je constate que cette mémoire-là se déploie différemment pour me montrer justement quelles sont les ressources créatrices, quels sont les potentiels évolutifs qui sont en moi. Et puis, évidemment, le troisième volet de la pleine conscience intuitive, c'est les soins. Donc, utilisation des mains, par exemple, pour faire le transfert d'énergie, mais également plusieurs autres techniques. En fin de compte, il y a un ensemble de techniques que l'on retrouve chez les guérisseurs qui se combinent au décodage intuitif et à la déprogrammation afin de pouvoir justement amener donc un équilibre de plus en plus profond, tant sur moi-même que vers un partenaire. Donc, c'était un peu la présentation de base, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la pleine conscience intuitive. Vous avez donc un petit peu d'informations là-dessus. Et donc, la conférence de ce soir, ben, a pour objectif de vous présenter comment peut-on accéder à ces annales akashiques-là. Alors, d'abord, la première chose que j'aimerais dire concernant les annales akashiques, ce n'est pas un lieu physique. Donc, c'est important de le comprendre que les annales akashiques, évidemment, c'est un concept, je dirais ça comme ceci. Un concept qui indique justement que dans un univers qui n'est pas l'univers physique dans lequel nous sommes, mais un univers qui est super lumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière, cet univers-là est un univers qui est parallèle au nôtre, et par le biais de la pleine conscience intuitive, par le biais de ce véhicule imaginaire qu'on peut utiliser, on accède justement à cet univers super lumineux pour moi. C'est-à-dire que grâce à l'imaginaire, je peux accéder à un niveau de conscience où les particules vont plus vite que la lumière, et dans ce niveau de conscience-là, j'accède à une connaissance universelle. Cette connaissance universelle, ben finalement, c'est donc pas un lieu physique, c'est un espace finalement quantique, un espace quantique qui n'est pas associé à l'espace-temps, dans lequel il y a une information qui s'accumule continuellement, continuellement, et c'est pourquoi justement qu'on dit que c'est comme un peu comme une bibliothèque universelle, puisque la somme
de toute la connaissance humaine, la somme de la connaissance universelle se retrouve dans cet espace-là. C'est cet univers quantique dont il est question. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on ne peut pas localiser un lieu quantique. On reconnaît quelque part, c'est un lieu effectivement qui est c'est un espace vraiment de multiples possibilités. Et que quand on commence à interagir avec cet univers-là, on constate qu'il est en mesure donc de nous transmettre de l'information. Et je l'ai dit tantôt, par le biais du décodage intuitif, on peut parvenir à accéder à la connaissance. On peut également, par la déprogrammation, se permettre justement de faire un travail de libération des programmations mémorielles. Et ça, on va y revenir plus à fond. Et par les soins, ben, de rétablir les flots énergétiques. Donc, voilà. C'était un petit peu l'introduction pour cette conférence. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 5 étapes qui nous permettaient d'accéder aux annales akashiques. Donc, la première étape va nous permettre d'approfondir un petit peu ce que je nomme les annales akashiques. Alors, la première étape, c'est de finalement arriver à faire un voyage grâce au support imaginaire, grâce au véhicule imaginaire, dans la conscience universelle. Alors, c'est la première étape. Alors, comment allons-nous faire cela? C'est-à-dire qu'on va utiliser l'imaginaire comme un moyen de voyager. Alors, par exemple, je suis dans un espace présentement qui est un espace physique que tout le monde peut voir. Bien, tout le monde peut voir, du moins l'arrière, une fenêtre et tout ça, des rideaux, etc. C'est un espace dans une maison que je suis. Comme chacun d'entre vous, probablement, vous êtes dans un espace physique, une maison, probablement, ou un appartement. Alors, quand on parle de voyage en pleine conscience intuitive, la première chose, finalement, c'est qu'on peut donc voyager dans une maison, dans un espace physique comme celui-ci, et constater que dans cet espace physique-là, qui est fait de matière reconnue, objectivable par chacun d'entre nous, par nos sens, on va observer effectivement que l'espace est vraiment objectivable parce qu'il a une dimension terrestre. On peut reconnaître les murs, les espaces, les pièces, etc. Et quand on fait un voyage, justement, avec la pleine conscience intuitive, on constate que dans cette matière physique-là se retrouve justement une certaine forme d'expression vibratoire, une expression énergétique. Ce qui veut donc dire que je peux finalement voyager dans cet espace terrestre-là pour constater que dans cet espace terrestre-là, physique, qui est un lieu physique, donc un appartement ou une maison, je peux constater que dans cet espace-là, il y a donc des flots énergétiques. C'est-à-dire que dans l'espace de cette maison-là, je constate qu'il y a des mouvements énergétiques qui peuvent exister, qui peuvent être associés donc à ce qu'on peut appeler souvent le feng shui, hein, par exemple. On sait que les maisons, on peut les concevoir d'une certaine façon pour permettre justement à une circulation énergétique de se faire le plus harmonieusement possible. Donc, quand on commence à voyager dans cet espace physique-là, bon, on peut effectivement aller voir le plafond, aller voir les murs, pénétrer dans les murs, pénétrer dans les plafonds, aller voir la tuyauterie, aller voir la plomberie, etc. C'est donc de constater quelque part que dans ce lieu physique dans lequel nous sommes, il est possible de voyager dans celui-ci pour pouvoir effectivement constater que cette maison-là ou cet espace dans lequel nous sommes a donc une somme d'informations et que nous pouvons justement, par cette capacité que nous avons d'être un témoin dans ce voyage-là, de constater que toutes les perceptions que nous allons capter tout au long de ce voyage-là vont nous permettre de pouvoir justement faire des questions pour mieux comprendre justement ce que notre espace physique a à nous communiquer. Et ça va nous permettre donc d'apprendre, de mieux comprendre ce que cet espace-là exprime et de quelle façon que nous-mêmes pouvons introduire des actions pour amener l'espace en question à devenir de plus en plus équilibré. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, on peut faire des actions dans un contexte énergétique, c'est-à-dire de favoriser dans l'espace une circulation énergétique en déplaçant des objets, en faisant des actions subtiles dans l'espace en question. On peut également constater que dans cet espace-là, il peut y avoir des mémoires, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des souvenirs qui peuvent être négatifs, qui sont dans cet espace-là, sur lesquels on peut interagir également. On peut donc vraiment permettre à cet espace-là de retrouver une vibration plus élevée. On peut aussi évidemment chercher à aligner la maison dans un espace plus spirituel, de façon à ce que quelque part la maison soit en état de fréquence plus élevée que comme on l'avait trouvé au départ. Donc, vous comprenez évidemment que ce premier voyage-là que je vous propose dans un lieu physique, bien, quelque part, c'est disponible à chacun d'entre nous. On a une maison, on a un espace dans lequel on vit, donc on peut voyager à l'intérieur de cet espace-là et de constater que, par le biais du décodage intuitif, on va constater qu'il y a des messages visuels, auditifs ou sensitifs qui vont se manifester à nous à travers nos sens, qu'on va pouvoir prendre le temps de communiquer avec ces perceptions-là pour mieux comprendre ce que la maison souhaite nous communiquer. On peut faire de la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec l'espace en question
pour justement donner à cet espace-là tout ce dont il a besoin pour qu'il se transforme. À ce moment-là, évidemment, on va constater que l'espace en question va nous montrer son potentiel, hein, qu'est-ce qu'il est vraiment, quelle est son essence fondamentale, plutôt que de le voir dans une vibration limitative, on va commencer à lui donner l'opportunité de manifester sa lumière, son essence fondamentale. Et les soins, ben, vont permettre justement de rétablir les flots énergétiques dans l'espace physique pour qu'il y ait un plus grand équilibre. Alors, vous voyez que ce que je suis en train de vous présenter à travers ce premier exemple-là, c'est finalement que les annales cachiques, on peut voyager dedans, mais on peut évidemment faire trois actions thérapeutiques, voire fort intéressantes, pour arriver justement à accéder à la connaissance universelle d'une façon beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. On peut donc, par le biais du décodage intuitif, développer la connaissance, hein, de la connaissance pour nous donner accès à cette connaissance universelle-là. Par la déprogrammation, on va donc travailler sur tout ce qui s'appelle mémoire limitative. Les mémoires limitatives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mémoires qui se répètent. Les mémoires qui se répètent, c'est l'enfant abandonné qui a 8 ans. Alors moi, je n'ai plus 8 ans. Alors, si cet enfant de l'âge de 8 ans est encore en moi, c'est parce que cette mémoire-là, elle s'est figée. Pourquoi elle s'est figée? Parce qu'il y a eu une forme de répétition qui s'est faite depuis l'âge de 8 ans, qui fait quelque part que je me sens encore dans cette expérience d'abandon-là. Donc, la déprogrammation va consister justement à libérer ces programmations-là, ces limitations-là, pour nous donner accès justement au potentiel évolutif qui va me permettre de comprendre que cette mémoire limitative d'abandon, mais si j'ai interagi avec pour la déprogrammer, je vais peut-être constater effectivement qu'il y a un grand potentiel, par exemple, d'affirmation qui va en résulter, qui va me mettre en contact avec une énergie que je n'avais jamais reconnue en moi, qui va me permettre de mieux comprendre ce que j'ai à faire pour retrouver un plus grand équilibre en moi. Alors, vous voyez que c'est des choses qui peuvent être intéressantes, évidemment, donc, à bien cerner. Alors, il y a donc le premier voyage que je propose dans la pleine conscience intuitive, c'est donc d'explorer des lieux physiques. Ça peut être une église, ça peut être tous les lieux physiques qu'on peut imaginer. On peut donc voyager dans des objets également, dans des pierres. Donc là, je fais vraiment référence au monde physique. Toute forme de matière objectivable, ben moi, je peux voyager dans cette matière objectivable-là pour communiquer avec la connaissance qui est associée à cela. Par exemple, un arbre que je pourrais décider d'aller voyager dans cet arbre-là pour me mettre en relation avec cette connaissance universelle qui anime mon arbre. Et par le biais du décodage, des programmations et soins, je pourrais intervenir sur cet arbre-là pour que l'arbre en question me révèle sa lumière. Donc, d'une part, j'équilibre l'arbre en question et moi, je me mets dans une position de plus grande ouverture vis-à-vis tout ce que l'arbre peut me transmettre, peut me donner. Alors, évidemment, on peut aussi cherche donc établir des relations avec des êtres humains, avec des animaux. Alors, vous voyez que quand on parle de cet univers physique-là, c'est-à-dire que je peux reconnaître que tout être humain fait de chair et d'os, tout organisme vivant vivant sur Terre, ben je peux interagir avec ces organismes vivants-là pour découvrir effectivement qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime tout organisme vivant sur Terre. Alors, tout organisme vivant ayant donc qui pouvaient vivre dans un règne minéral, végétal, animal et bien entendu humain. Donc on retrouve dans tous les règnes à quelque part cette manifestation intelligente. Donc vous voyez que déjà avec ça on peut déjà faire des grands voyages dans la pleine conscience intuitive pour découvrir justement un certain niveau d'information que l'on retrouve dans les annales cachées. Le deuxième aspect dont je voulais vous parler concernant cette première étape pour favoriser donc l'accès aux anakashiques, c'est l'univers énergétique. Alors, l'univers énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je peux très bien commencer à faire un voyage dans mon propre corps. Ce voyage-là que je vais faire dans mon propre corps va me permettre de découvrir que dans mon corps, il y a donc un ensemble de cellules. Et cet ensemble de cellules, si je voyage dans mon corps, je vais constater que les zones dans mon corps où cet ensemble de cellules va vibrer d'une façon moins lumineuse, moins harmonieuse que dans d'autres espaces dans mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je fais un voyage dans mon corps, ben je reconnais quelque part que j'expérimente la qualité biolumineuse de mes cellules, la capacité de ces cellules d'absorber et de rémettre la lumière et de favoriser une circulation énergétique optimale dans mon corps. Donc encore là, je peux faire un voyage dans cet univers énergétique-là pour comprendre les flots énergétiques qui sont dans mon corps, mais comprendre également le fonctionnement énergétique et physique de mon corps afin de mieux comprendre ma santé. Et je peux le faire sur toute forme d'organisation vivante aussi, puisque un arbre, par exemple, ben, va donc émettre un certain rayonnement. Un animal va certainement émettre un rayonnement. Un aliment va certainement émettre un rayonnement, ainsi de suite. Donc, on comprend ici que
toute forme d'organismes, encore là, qui sont associés donc au lieu physique dont je parlais tantôt, donc à la matière, bien évidemment, ils rayonnent un certain degré d'énergie, en quelque part, qui est relié donc à la capacité de tout organisme vivant, donc d'absorber et de réémettre de la lumière, qui va donc dégager un certain champ énergétique. Et ce champ énergétique-là, c'est cet univers énergétique-là. C'est donc dire que moi, quand je voyage en pleine conscience intuitive, ben je peux effectivement me mettre en relation avec cette dimension énergétique qui est plus subtile que la matière. Et évidemment, je n'ai peut-être pas dit que dans les lieux physiques, je pourrais très bien aller voir une étoile, une planète. Donc, vous voyez que quand on parle d'un lieu physique, la planète Terre serait un lieu physique aussi, que je pourrais visiter la planète Terre. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'applications à cette vision de l'univers akashique, puisqu'on peut tant les appliquer dans des dimensions très terrestres que dans un univers plus subtil, qui est plus énergétique, qui va nous permettre d'aller chercher des informations qui sont plus en relation donc avec les interactions qui existent entre mon corps de chair et d'os, par exemple, et l'énergie tellurique de la Terre et l'énergie cosmique du ciel. Et évidemment, dans tout organisme vivant, on va retrouver aussi dans cette dimension énergétique-là cette espèce d'échange qui existe entre moi, entre la matière vivante et les environnements telluriques et cosmiques qui peuvent exister autour de cela. Il y a également l'univers psycho-émotionnel qui va être fort intéressant parce que dans les données akashiques, on comprend une chose, c'est que dans un premier temps, toute forme de vie est faite de matière, d'accord? En partie, je vais vous dire ça comme ceci, toute forme de vie est faite de matière, toute forme de vie possède un rayonnement biolumineux, d'accord? Et toute forme de vie, dans cette lumière-là, dans ce rayonnement biolumineux-là, il se manifeste de l'information. L'information, c'est quoi? Alors, quand je vous disais tantôt, je vous parlais de la mémoire d'un enfant de 8 ans qui se sent abandonné, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je me mets en communication avec cet enfant de 8 ans qui se sent abandonné en moi, je vais constater que cet enfant-là, cette mémoire-là avec laquelle je suis en communication, va se manifester à moi sous une forme de personnage, un personnage qui peut s'apparenter à de la bande dessinée. Et ce personnage-là va être animé d'une conscience qui lui est propre, un peu comme si elle était vraiment distincte de moi. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux avec cet enfant-là parce qu'il y a une autonomie, une certaine personnalité, avec une certaine façon de fonctionner, une certaine façon de voir les choses. Et quand j'interagis avec cet enfant-là, ce que je vais découvrir, c'est que cet enfant-là est en relation avec moi parce que cette expression de l'enfant, cette mémoire que je perçois, c'est en fait de l'énergie lumineuse, mais qui est programmée par de la conscience mémorielle. Alors, ce que je vous fais comprendre, c'est que les années akashiques, un élément fort important dans les années akashiques, c'est que toute forme d'énergie est animée d'une conscience mémorielle. Et cette conscience mémorielle va me permettre donc de mieux comprendre justement l'énergie qui se déploie dans un organisme vivant. Et ça va me permettre donc de constater que cette mémoire-là va me permettre de mieux comprendre justement ce qui anime cette conscience énergétique-là et va me permettre ensuite donc de déprogrammer, de soigner, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est une grande application qui peut se faire au niveau psycho-émotionnel, puisqu'on comprend que dans ce niveau psycho-émotionnel-là, nous allons retrouver l'histoire personnelle de tout organisme vivant. Comme par exemple, moi, j'ai une certaine énergie. À cette énergie-là, quelque part, ben, elle se déploie d'un certain rayonnement, d'une certaine lumière. Et évidemment, quand je commence à voyager en moi, la première chose que je vais découvrir, c'est que je vais constater qu'il y a des mémoires qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon histoire de vie. Depuis que je suis né, je peux constater que je peux faire un voyage en moi, dans ma structure énergétique, et constater que dans ma structure énergétique se déploient des mémoires, des événements associés à mon histoire personnelle. Donc ça va être une première chose qu'on va découvrir. Puis évidemment, on peut, dans ce voyage dans les années akashiques, découvrir qu'on peut aussi accéder à des mémoires qui vont non seulement appartenir à notre histoire de vie, mais vont appartenir également à notre histoire familiale. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça veut donc dire que dans les années akashiques, on retrouve l'ensemble de toute notre histoire familiale. Alors, on a l'ensemble de notre histoire personnelle, on a l'ensemble de notre histoire familiale, de tous nos ancêtres. On peut donc accéder à cela par le biais des années akashiques. Et en plus, on peut accéder à l'ensemble des mémoires de l'humanité. Alors, ça veut donc dire que moi, quand je fais un voyage dans les années akashiques, je peux donc faire un voyage pour me découvrir davantage, pour pouvoir justement me libérer de mémoire personnelle, de mémoire familiale, de mémoire d'autres vies. Mais je peux également carrément
pénétrer dans cet univers akashique-là pour voyager dans l'histoire de l'humanité. Ce voyage-là va être fort intéressant, puis souvent, il va me permettre aussi de constater que quand je fais ce voyage-là, il se peut que je sois dirigé vers des mémoires d'autres vies, par exemple, même si j'ai accès à l'ensemble de toutes les informations mémorielles de toute l'histoire de l'humanité, je vais quand même souvent être attiré par un certain ensemble d'informations mémorielles qui va être en résonance avec mon histoire de vie. Alors ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, puis que plus évidemment je vais faire un voyage dans les années akashiques de plus en plus ouvert, mais plus évidemment je vais élargir mon champ de conscience, élargir ma capacité de réceptivité, et à ce moment-là, je vais pouvoir effectivement commencer vraiment à accéder à une connaissance de plus en plus vaste dans ce niveau de conscience, des mémoires d'autres vies, de l'histoire de toute l'humanité. Alors évidemment, l'histoire de l'humanité inclut à quelque part ce qu'on pourrait appeler justement toutes ces énergies qu'on pourrait qualifier de sagesse et d'intelligence qui se retrouvent dans l'histoire de l'humanité. Je pense à Jésus. Je pense à un ensemble d'informations. Quand je pense aux extraterrestres. Je vous dis les extraterrestres, pourquoi? Mais parce que justement, à travers toute notre histoire, tout ce qui anime l'histoire de l'humanité depuis le début des temps, il y a des thèmes qui sont d'importance, qui ont été construits par l'être humain ou qui ont été animés par l'être humain, qui ont été nourris par l'être humain. Entre autres, le thème des extraterrestres en est un. Donc, c'est bien évident qu'il est possible de voyager dans les années akashiques pour aller chercher de l'information, par exemple, face à ce monde, face au milieu des extraterrestres, face à un monde, face à des maîtres spirituels, etc., etc. Donc, il y a un ensemble encore là de possibilités qui peut être là. Et la clé pour moi, bien évidemment, c'est être capable de jouer avec les trois volets dont je vous ai parlé tantôt. Le décodage intuitif qui me permet de pouvoir interagir avec chacune des énergies avec lesquelles je suis en communication pendant ce voyage-là, qui va me permettre donc de mieux comprendre, de mieux communiquer avec l'énergie en question. Ensuite, la déprogrammation, qui va être vraiment un élément intéressant, parce que la déprogrammation ne va pas me limiter à ce que je perçois, ça va me permettre au contraire de donner à ce que je perçois ce qui lui est nécessaire, pour qu'elle puisse donc être moins dans sa limitation, mais qu'elle soit plus dans sa nature expansive, évolutive. Et dans cette façon-là, bien évidemment, je vais pouvoir me mettre en contact avec une énergie qui me montre le chemin de l'évolution, le chemin d'une certaine démarche positive et évolutive. Donc, je pense que ça peut être fort intéressant, évidemment, de pouvoir aborder ça. Puis ensuite, les soins énergétiques, les soins psycho-énergétiques vont permettre donc d'interagir avec toute forme de mémoire qui se retourne dans les années akashiques pour chercher à rétablir les flots énergétiques qui se retournent dans la mémoire en question. Alors, ces flots énergétiques-là, lorsqu'elles sont c'est plus équilibré, bien inévitablement, bien, ce que je capte devient plus en harmonie, plus dans une position d'équilibre, je dirais. Donc, on en ressort évidemment avec quelque chose, comme si on faisait des actions thérapeutiques à travers ce voyage dans les années akashiques où on cherche justement donc à comprendre ce qu'on perçoit, on cherche à déprogrammer les limitations mémorielles qui sont là, puis on cherche à rétablir les flux énergétiques pour que l'énergie avec laquelle on travaille soit de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes, avec elle-même et avec l'univers. Et c'est comme ça qu'on va faire un travail de déprogrammation et d'épuration, pourrait-on dire, pour que justement l'ensemble de la mémoire que l'on retrouve dans les années akashiques puisse être de plus en plus en harmonie avec l'univers, finalement, qui va faire que justement ces énergies vont être de moins en moins limitatives, mais de plus en plus évolutives. C'est un peu l'objectif que l'on se fixe, bien évidemment, à travers cette démarche-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans le chat et moi, je répondrai tout au long, à mesure que la conférence va avancer, je prendrai le temps de répondre aux questions que vous pourriez avoir. L'autre aspect dans ce voyage en pleine conscience intuitive qui est assez important, c'est évidemment l'univers spirituel. Cet univers spirituel me permet de constater que dans les années akashiques, je peux accéder à des niveaux de conscience supérieurs, c'est-à-dire qui vont dépasser le savoir humain, et qui vont me permettre donc de communiquer avec la source de lumière avec laquelle je suis en interaction et qui me permet donc de constater que cette source de lumière est reliée à un grand tout et que moi-même, je suis relié à ce grand tout-là et que plus je cherche à développer cette relation avec cette source lumineuse-là, bien plus évidemment, je vais commencer à me rendre compte que je suis en interrelation avec une forme de sagesse plus pure, une intelligence plus pure, qui sont encore là reliées aux années akashiques, mais à des niveaux de fréquence plus élevés. Et c'est là qu'on peut voir apparaître des guides qui vont pouvoir justement interagir avec nous pour pouvoir voyager dans les années akashiques
et interagir avec nous dans les diverses sphères que je vous ai présentées. Mais évidemment, un guide pourrait aussi nous amener dans des niveaux de conscience, par exemple, dans le niveau de conscience des personnes décédées, par exemple, où se trouvent les personnes décédées, pour pouvoir interagir avec eux, pour faire un travail encore là de déprogrammation, pour libérer des mémoires ou des personnes décédées qui se retrouvent là, pour justement accéder à ce qu'on pourrait appeler un travail de passeur d'âme, par exemple. Alors, vous voyez que c'est toutes des applications qui peuvent être effectuées. Donc, ça, c'était pour la première étape que j'avais envie de vous partager avec vous. Il y a des questions qui me sont proposées. Il y a Magali qui me dit, j'ai déjà essayé d'y aller pour moi et je n'ai rien vu. Je n'ai pas non plus à visualiser. Que puis-je faire pour y arriver? Alors, évidemment, il y a trois sens, Magali, que tu dois tenir compte quand on parle des annales akashiques. C'est le sens visuel, auditif et sensitif. Et si on ne comprend pas bien quelque part cette idée de ces trois sens-là, quelque part, on va s'imaginer qu'il faudrait toujours voir, par exemple. C'est ce que tu décris, entre autres, à Magali, tu fais référence à la visualisation. Et puis moi, je te dirais que l'important dans ça, c'est évidemment, c'est de bien comprendre qu'on peut être aussi beaucoup plus sensible aux sensations et beaucoup plus sensible, donc, à ce qu'on peut entendre dans un monde comme celui-là. Donc, l'idée là-dedans, c'est de faire comme si. Alors, Magali, tu ne vois pas, mais tu peux très bien faire comme si tu voyageais dans cet univers-là et chercher à développer le niveau de tes perceptions, toujours en comprenant évidemment que l'important, c'est de décoder, déprogrammer et soigner, de toujours combiner les trois à la fois dans une démarche comme celle-là. Alors, en faisant cela, on a beaucoup plus de chances d'arriver à des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, c'est comme ça que je te dirais, Magali, que tu pourrais peut-être y arriver. Bien sûr qu'il y a tout un entraînement aussi là-dedans. Hein. Je ne veux pas vous faire croire que les annales akashiques sont accessibles comme ça. Il faut bien comprendre, Magali, dans un premier temps, si je reviens sur toi, que si on veut développer les annales akashiques, il faut d'abord comprendre ce qu'est justement le monde subtil. Alors, le monde subtil, qu'est-ce que c'est? C'est un monde que je viens de décrire qui nous permet de comprendre quelque part que toute forme de vie est animé par une forme de dimension énergétique et psycho-émotionnelle et spirituelle, et qu'on peut interagir avec ces trois volets-là pour apprendre justement à découvrir la sagesse intelligente qui anime chacune de ces composantes-là. Donc, il y a un entraînement à ça, Magali, et on ne peut pas donc nécessairement le faire en criant ciseaux à chaque fois. Il faut peut-être reconnaître qu'il y a un entraînement à faire, et cet entraînement-là, bien évidemment, la première étape, je dirais, c'est d'apprendre à faire des voyages. Et comment peut-on apprendre à faire les voyages? Bien, c'est de reconnaître que le support imaginaire peut nous être utile dans les voyages qu'on peut effectuer. Donc, ça serait déjà une étape de départ. Et quand tu dis « je n'ai rien vu », c'est peut-être parce que tu n'es pas visuel. Donc, il faut vraiment bien comprendre le sens auditif, le sens des sensations qui est tout aussi important, et surtout comprendre que ce n'est pas important nécessairement de voir. Si on ne comprend pas ce qu'on voit, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que le décodage, déprogrammation et soins vont souvent nous aider justement à interagir davantage avec cet univers-là pour lui donner un peu plus de matière, je dirais. Il y a Lydie qui me dit, est-ce que voyager dans les années akashiques signifie faire un voyage astral? Ben non, pas tout à fait, parce qu'en fin de compte, le voyage astral, finalement, c'est un voyage dans lequel on va chercher, justement, par exemple, je dis, je fais un voyage astral dans cette pièce-ci pour aller dans la chambre à côté, je n'ai jamais été dans cette pièce-là, et je vais simplement aller voir dans cette pièce-là qu'est-ce qui se passe. Je vais donc en parler ensuite, je vais prendre le temps de faire un dessin sur une feuille après pour partager avec une personne, effectivement, si ça correspond à ce que j'ai vu dans la pièce avec ce que j'ai pu percevoir. Donc, un voyage astral n'implique pas qu'on va faire un travail dans les annales akashiques, parce que le voyage astral, souvent, c'est un voyage qui va être effectué avec un... Bon, si on passe à Monroe, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'Institut Monroe, lui, il cherchait à développer toute une catégorie d'espace dans un voyage astral, et on constate effectivement que dans ces catégories-là, ben, il y a des catégories très basiques dans lesquelles on va chercher simplement à voyager dans un espace terrestre, physique, et ensuite on va chercher à voyager dans des sphères de plus en plus élevées. Alors évidemment, quand on parle des annales akashiques, on parle vraiment d'une volonté que l'on a d'aller se mettre en relation avec la connaissance universelle, et dans ce sens-là, on n'a pas besoin de voyage astral. Pour moi, de toute façon, on est proche de la pleine conscience intuitive, on est proche de ce voyage astral-là. Quand on fait des voyages, comme je viens de le proposer, ce sont des voyages où la conscience se déplace tout simplement dans la matière. Donc, on est très proche du voyage astral. Mais pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a une différence à faire, parce que les gens qui font du voyage astral ne vont pas nécessairement
faire des voyages dans les annales akashiques. C'est pour ça que je réponds avec une certaine nuance par rapport à cela. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. OK, donc José qui me dit qu'on ne me voit pas très bien. On ne me voit pas très bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, qu'il faudrait que je ferme les rideaux. Alors, je vais simplement peut-être essayer de faire cela. Je vais vous montrer que je suis en short en même temps. Mais on va faire ça. Ah, ben non, je ne pourrais pas le faire facilement. Donc, on ne peut pas vraiment fermer les rideaux. Comme je vous dis, je viens d'arriver, moi, ici. Hein, donc, c'est une expérience un petit peu, comment dire, spontanée. Là, je suis arrivé en retard, j'étais censé arriver un peu plus tôt aujourd'hui, donc j'ai un peu moins de temps de me préparer. Mais voilà, donc j'espère que c'est mieux, je pense que c'est mieux comme ça. Pour continuer les réponses, Magali qui me dit, si on n'arrive pas à contacter ces guides, c'est que notre trouble vibratoire n'est pas assez élevé ou que les guides ne veulent pas nous communiquer. Je ne vois pas, j'entends pas, je ressens pas. Y a-t-il des exercices pour y arriver? Ben moi, Magali, je te dirais, va voir le module 1 dans le site développementdeconscience.com, il y a un module 1. Et ce module 1-là va te donner l'opportunité d'avoir accès gratuitement à des enseignements de base qui vont te permettre de comprendre un petit peu comment faire pour développer le travail intuitif. Peut-être que ça pourrait t'aider. C'est un module évidemment qui est très basique, mais quand même qui te donne vraiment les techniques de préparation. Moi, je t'inviterais à commencer avec ça parce que c'est vraiment la meilleure façon de commencer. Si on n'arrive pas à contacter ces guides, c'est que notre taux vibratoire n'est pas assez élevé. Pas nécessairement. C'est pas nécessairement non plus vrai que les guides ne veulent pas nous communiquer. C'est vraiment simplement une question quelque part de méthode. Moi, je considère vraiment très sérieusement que la majorité des gens sont à la recherche de miracles quand on parle d'intuition. Ils s'imaginent que ça va arriver tout seul. Ils vont simplement dire que le troisième œil doit s'ouvrir, puis le troisième œil va s'ouvrir, un peu comme si on disait ouvre-toi Sésame. Ils ont l'impression qu'ils vont devenir à ce moment-là des intuitifs. Je pense qu'il y a une grande naïveté là-dedans. Moi, je crois très sincèrement, parce que c'est ce que j'ai observé, puis c'est ce que j'enseigne depuis plusieurs années, qu'il y a une méthode qui existe et cette méthode-là, on peut la développer, on peut arriver à augmenter notre habileté intuitive, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Puis souvent, on a beaucoup de croyances autour du processus intuitif. Par exemple, toi, Magali, quand tu me disais, est-ce que si on n'arrive pas à contacter ses guides, c'est que notre taux vibratoire n'est pas assez élevé. Alors, quand on dit contacter ses guides, par exemple, déjà, quelque part, c'est pour moi faire référence à une croyance qui implique que je suis avec des guides, j'ai des guides qui me sont appropriés. Alors que moi, je pense sincèrement que quand on commence à faire un voyage comme celui que je viens de décrire au niveau des annales akashiques, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il n'y a pas justement de guides qui nous sont appropriés, attribués comme tels. On peut vraiment découvrir qu'il y a une somme de connaissances. Et cette somme de connaissances, on peut donc communiquer avec un guide, deux guides, trois guides, 10 guides, 20 guides, selon notre besoin. Parce que justement, on peut donc accéder à une connaissance de plus en plus large et de plus en plus élevée à travers un processus intuitif. Donc, je pense que si on comprend mieux cela, on commence à comprendre quelque part que toute manifestation intuitive est un guide en fin de compte, et que oui, effectivement, à travers l'hiérarchie vibratoire, mais qu'on accède à des guides de niveau de conscience plus élevé, normalement, on devrait accéder à des informations de plus grande pureté et de plus grande richesse. Je dis bien normalement, parce que ce n'est pas toujours vrai non plus, parce que ce n'est pas parce qu'on dit je communique avec un guide que le guide est supérieur à une énergie qu'on pourrait qualifier de vibration inférieure. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, on doit être capable d'arriver à épurer notre voyage justement dans les annales akashiques. Et pour épurer ça, comment va-t-on faire cela? Ben, on va apprendre à développer des techniques qui vont nous amener à être capables de comprendre ce avec quoi on communique. C'est pour ça que le décodage intuitif, des programmations et soins va nous permettre d'interagir avec la somme d'informations avec lesquelles on est en communication pour justement comprendre davantage la connaissance intuitive qui est associée à elle, de développer une plus grande capacité d'interagir avec elle pour la déprogrammer, puis une troisième étape pour la soigner de façon plus efficace. Donc, je pense que ces trois volets-là vont nous permettre d'arriver à une plus grande assurance dans le travail pour y arriver. Module 1 de quoi, Magali? C'est le module 1 de la formation personnelle et professionnelle. C'est un module 1 qui nous présente. Il y a trois modules, un enseignement qui s'appelle Introduction à la pleine conscience intuitive, qui est un week-end de 2 jours, ou encore un enseignement de 3 modules qui est possible de suivre dans un contexte de formation en ligne. Et le module 1,
C'est le module, c'est un module qui est gratuit et que l'on retrouve sur le site développementconscience.com. Quand tu arrives sur la page, tu vas le voir, c'est indiqué, module 1 gratuit. Tu t'inscris et tu vas le recevoir sous forme de quelques mails. Ça va te donner donc un indice de un petit peu comment je fonctionne, comment je travaille. Alors évidemment, c'est très basique ce module 1-là, puisque c'est vraiment la base de préparation. C'est plutôt un enseignement pour préparer la démarche, mais quand même, ça va vous donner des indices pour mieux comprendre comment ça fonctionne, Magali. Dom Marie qui me dit, une fois qu'on accédait à une période dans les annales, si un an après on y retourne, est-ce qu'on retrouve ce qu'on en a consulté un an avant? Non, 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 ben, je sais pas, je comprends pas très bien ta question, Dom Marie. Je te dirais que oui et non. Je te dirais que oui et non parce que, en fin de compte, si on retrouve ce que l'on a fait un an avant, ça veut donc dire que c'est figé. Si c'est figé, ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas dans un processus quantique. Le processus quantique nous met en évidence que tout est en mouvement. Et que quand on est dans ce monde quantique, on doit justement favoriser ce mouvement-là pour ne pas rester dans la dimension figée des choses. La dimension figée des choses, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, la médecine nous disait que les gènes étaient finalement programmés notre vie. C'est-à-dire que les gènes étaient un bagage génétique héréditaire qui nous était retransmis, puis il n'y avait rien à faire, on était pris avec ça. Et là, on commence à reconnaître que ce n'est pas le cas, que le bagage génétique peut muter, peut se transformer, etc. Donc, tout ça pour vous dire quelque part qu'on est en train de pénétrer dans un univers vraiment complètement qui est vraiment très, très intéressant, parce qu'il nous met en évidence clairement ce que les grandes traditions ésotériques et spirituelles nous racontaient depuis très longtemps, c'est que tout est en mouvement, il n'y a rien de figé. Et que plus on apprend justement à utiliser les techniques de base que je propose, le décodage, déprogrammation et soins, on apprend vraiment à se sortir de l'impasse. L'impasse, c'est justement de rester figé avec des états qui nous laisseraient croire que dans cet univers-là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas si longtemps, encore une fois, on avait des convictions en tant qu'être humain, qui nous laissait croire que les choses qui ne pouvaient pas bouger, en fin de compte. Et je pense qu'il faut comprendre maintenant, aujourd'hui, que tout est en mouvement. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que normalement, lorsqu'on rentre dans les annales cachées, qu'on va se mettre en relation avec un principe de sagesse et d'intelligence qui va nous permettre, justement, de nous connecter avec où est-ce qu'on en est, nous, dans ce processus évolutif, de quelle façon qu'on peut l'accompagner. Et je pense que plus on s'accompagne dans le processus évolutif, et plus on va être capable, justement, de reconnaître que chaque voyage qu'on va faire dans les annales akashiques va nous permettre de nous relier à cette sagesse intelligente-là et nous permettre d'avancer, de progresser. Ça, je pense que c'est vraiment important de bien cerner cela. Donc, si on retrouve des choses qui ont été vécues un an avant, mais ça veut donc dire que ces informations-là ont un aspect donc figé un peu. Alors, il faut maintenant comprendre pourquoi c'est encore là et chercher donc à appliquer les trois techniques que j'ai proposées, décodage, déprogrammation et soins. Il y a Béatrice qui me dit, y a-t-il une prière d'entrée à faire normalement? Non, je te dirais vraiment que la prière, bien évidemment, on peut toujours faire une prière si on en a envie, hein. Moi, je te dirais que la pratique de l'enracinement est une technique vraiment fondamentale pour nous préparer à la pratique de la pleine conscience intuitive. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on s'est enraciné, c'est là qu'on va faire le voyage. Faire le voyage, c'est simplement reconnaître que l'imaginaire est un véhicule qui me permet de voyager dans les annales akashiques, les annales akashiques étant l'univers quantique, en fin de compte, c'est ce qu'il faut comprendre. Et dans cet univers quantique-là, il y a un ensemble d'informations qui nous est accessible. Et pour y parvenir, bien évidemment, c'est comme toute chose, il faut un apprentissage. On ne peut pas le faire du jour au lendemain comme ça. Alors, une prière, ça peut être utile si on lui donne de l'importance, on lui donne de la valeur. Je dirais, bien sûr, faisons une prière. Mais fondamentalement, si on veut vraiment être très, très, très terre à terre par rapport à tout ça, la prière n'a aucun impact pour accéder aux annales akashiques, parce que justement, les annales akashiques, ce n'est pas relié à une prière, c'est relié à une pratique. Une pratique qui va nous amener à être capable de se sentir de plus en plus à l'aise pour voyager dans cet univers quantique, être capable de pouvoir interagir avec celui-ci pour accéder à la connaissance. Donc, il faut vraiment comprendre ici que c'est une expérience dont on parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en se disant, ben voilà, il y a une prière qui va me permettre d'accéder à ça, ou il y a un genre de mantra qui va me permettre d'accéder à ça. Ce n'est pas vraiment juste. C'est un apprentissage, c'est comme une langue qu'on doit apprendre. Le processus intuitif est vraiment comme une langue, et cette langue-là, pour être capable de la parler, il faut la pratiquer, il faut interagir avec lui. Et c'est ça que les trois techniques que je propose vont permettre d'arriver à faire avec plus d'aisance pour parvenir à un résultat. Oui, ou la consultation élimine les faits observés et traités à ce moment-là. Je te dirais, Dom Marie, que ce sont des questions quelque part que je dirais qui sont intellectuelles que tu me poses. J'aurais envie de te dire que quand on est dans un processus intuitif, quand on est à l'expérimentation de communiquer avec les annales akashiques,
on est dans un processus où on reconnaît une forme de sagesse et intelligence. Et cette sagesse et intelligence-là, elle va finalement nous mettre en relation avec un devenir, quelque chose qui va nous faire sortir, je dirais, de nos limitations, de nos programmations, de tout ce qui nous limite finalement au changement. Alors, je pense que les Akashiques ont la capacité de nous amener dans un univers quantique, évolutif, qui nous favorise à actualiser notre potentiel évolutif en soi. Donc, c'est ça un petit peu que je te dirais. Et que oui, effectivement, si tu parles de faire observer, traiter à ce moment-là, là, on fait référence à quelque chose de très intellectuel. Et dans le processus intuitif, on est vraiment dans un autre univers. Et on doit accepter aussi que dans cet autre univers-là, c'est le monde intuitif qui va nous amener dans son univers. Et c'est pas nous qui allons le contrôler, c'est lui qui va nous amener dans son monde et qui va nous faire voyager pour nous faire découvrir des choses. Alors, je pense que c'est important de bien cerner cet aspect-là. Ça, c'était donc pour Demarie, d'accord. Ensuite, il y a Magali qui dit, c'est toi, petit singe, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Oui, d'accord, ok, je vous laisse entre vous deux, Demarie et Magali. Module 1, de quoi? Ça, j'ai répondu. Demarie, si on a traité les faits, l'événement doit disparaître des annales. Sinon, c'est un cercle sans fin. On tourne en boucle, tourne en boucle. C'est une question qui est intéressante. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que quand on reconnaît que les annales akashiques, c'est un ensemble d'informations qui n'est pas relié seulement à mon histoire personnelle, mais qui est relié à mon histoire familiale et qui est relié à mes mémoires d'autres vies, les mémoires d'autres vies de l'histoire de l'humanité, on comprend qu'il y a un ensemble d'informations. Comment ça se fait que cette information-là est présente dans les akashiques? Il faut simplement se comprendre une chose, c'est que chaque être humain, lorsqu'il pense, lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il émet des émotions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre des résonances, à son insu, hein, des résonances avec des mémoires qui animent les akashiques, et ces mémoires-là qui vont résonner avec moi, je vais les amplifier, je vais leur donner encore plus d'importance. Donc, tu comprends ici, Dame Marie, que quand on dit si on traite les faits ou les événements doivent disparaître des annales, bien, encore là, on fait référence à quelque chose de très intellectuel et de très logique. Si on fait référence à quelque chose de plus subtil, on comprend que la mémoire, elle n'a pas été créée par moi. Elle n'a pas été créée uniquement par moi. Elle n'a pas été uniquement créée par toi. Elle a été créée par un ensemble d'êtres humains qui existent depuis le début des temps. Donc, si on parle de la colère, par exemple, la colère, je peux, moi, reconnaître que j'ai de la colère, je peux reconnaître qu'un autre être humain peut avoir de la colère, mais quand je commence à pénétrer dans les annales akashiques, je peux me mettre en relation avec la colère qui anime l'humanité. Et la colère qui anime l'humanité est un ensemble de mémoires de colère qui ont été vécues à travers l'histoire de l'humanité et qui n'ont pas été résolues. Ces colères-là n'ont pas été résolues, c'est-à-dire qu'elles demeurent en colère, un peu comme tout à l'heure, je parlais de l'enfant de 8 ans qui se sent encore abandonné alors que je n'ai plus 8 ans, vous comprendrez que toutes les souffrances de colère qu'on puisse vivre depuis le début des temps dans l'histoire de l'humanité se retrouvent dans ces annales akashiques-là. Et quand on commence à faire un travail dans les annales akashiques, on peut faire un travail sur soi, évidemment, en tant qu'individu, mais on comprend évidemment qu'on peut faire un travail sur la collectivité également. Ça peut être un travail fort intéressant. Ils ont donc des écoles ésotériques qui ont pour objectif et qui ont le désir, effectivement, de faire un travail de transformation sur la conscience collective. Alors, bien évidemment que le travail sur soi est fondamental, selon moi, puis évidemment, on peut avoir cette espèce d'envie d'intervenir sur le monde, sur l'humanité, en fin de compte, mais je dirais qu'il faut d'abord, avant tout, avoir fait un travail sur soi pour être capable de se dégager le plus possible des limitations, des résonances qu'on pourrait avoir avec ce monde-là, parce que sinon, ce serait un petit peu comme s'égarer, hein, oublier quelque part l'essentiel. Je dois travailler sur moi avant de commencer à vouloir changer le monde. Si je veux changer le monde, je dois moi-même être dans une forme de maîtrise de moi-même. C'est un peu comme ça que je pourrais dire ça. Ensuite, comment concrètement accéder à cette pratique? Donc, je reviens encore là, Nancy, avec le module 1 dans le site Développement de conscience. C'est un module qui est gratuit. Donc, je vous invite évidemment à pouvoir jeter un coup d'œil puisque ça vous donne les bases. Alors, les bases, c'est des bases sommaires. Moi, je dirais que ceux qui sont intéressés à connaître les bases permettant de pouvoir commencer à accéder à ce thème, à ce qu'on parle aujourd'hui, je dirais que l'introduction à la pleine conscience intuitive est un thème intéressant. C'est 3 modules, c'est relativement court, et vous avez à ce moment-là l'opportunité de pouvoir explorer, comprendre comment la méthode fonctionne. Vous avez le week-end d'introduction, qui est un enseignement qui se fait en 2 jours, qui pourrait justement pouvoir arriver à cela.
N'aurait-on pas dû faire ça avant cette conférence? Non, Nancy, parce que justement, le thème de la conférence, c'est plutôt de vous présenter de vous faire réfléchir justement sur comment fonctionnent les données cachées et de quelle façon qu'on peut parvenir à le faire. Alors, comment tu me dis, quand tu me dis comment peut-on concrètement parvenir à le faire, la première étape, je vous ai donné une clé, c'est de faire des voyages en pleine conscience intuitive. Ces voyages, là, évidemment, vous allez me dire, ben oui, comment va-t-on faire des voyages? C'est très simple, on va prendre notre imaginaire, vous avez une table devant vous, comme moi j'ai une table devant moi, ben, je pourrais très bien dire, tiens, je vais aller voyager dans cette table-là. En voyageant dans cette table-là, ben, je pourrais constater que je capterais des images, des sensations et des mots de la table en question. Je pourrais voyager en moi. Je pourrais voyager chez un partenaire qui est devant moi. C'est ça qui va vous amener justement à découvrir qu'en faisant cela, il y a donc une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime la matière et qu'à travers les sensations visuelles, auditives ou sensitives, on arrive à découvrir qu'il y a une information qui va se manifester. Et c'est là que le décodage des programmations et soins vont devenir très utiles pour être capable de pouvoir justement décoder, comprendre mieux qu'est-ce qui anime les choses. Donc, c'est ça, en fin de compte, c'est pas plus compliqué que ça à Nancy. Je pense aussi à Magali qui avait des questions là-dessus. Est-ce ici? Il n'y a qu'une vidéo, les autres ne fonctionnent pas, c'est normal, bloqué. Magali, en fin de compte, je pense que tu confonds deux choses. Je vais revenir là-dessus, c'est qu'il y a possibilité de s'inscrire à quatre conférences gratuites. Ces quatre conférences gratuites proposent des enseignements avec des thèmes différents et il y a un module 1 qui est gratuit que l'on retrouve dans le site développementconscience.com. Et si vous allez donc sur le site thérapieintuitive.com, vous allez trouver ces quatre conférences-là. Moi, je crois que tu parles de quatre conférences gratuites, Magali. Regarde bien la différence entre les deux pour y revenir. Puis, si tu veux me contacter en privé, je te répondrai en privé pour ça, pour être capable de bien te répondre à ce sujet-là. Lydie qui me dit, les modules offerts, ce sont trois vidéos, est-ce bien cela? Non, ça, c'est les conférences gratuites, Lydie. Prenez le temps de bien faire la différence entre les deux. On reste malgré tout dans l'imaginaire pour ces voyages. Je te dirais, Dom Marie, que oui, mais en même temps, il faut bien comprendre, à quelque part, la subtilité de l'imaginaire. C'est une des raisons pourquoi au début, j'appelais ça l'écoute imaginaire, parce que je constatais que l'imaginaire, c'est très mal compris. Moi, par exemple, si je dis j'imagine, je suis en train de faire quoi? J'imagine quelque chose, je suis en train de me renfermer sur moi-même et de dire je suis en train d'imaginer quelque chose. J'imagine une personne en train de faire une course à pied. C'est mon imaginaire qui le fait. Et ça, à ce moment-là, je suis en train de me renfermer. Mon champ énergétique n'est pas ouvert vers l'univers. Il est fermé sur moi-même. C'est moi qui imagine. Quand je commence à utiliser le principe de la pleine conscience intuitive, de faire des voyages grâce au support imaginaire, je ne suis pas en train de dire j'imagine. Je suis en train de dire j'utilise l'imaginaire pour voyager en moi ou voyager vers un partenaire ou voyager dans un niveau de conscience plus subtil, etc., etc. Donc, tu comprends ici, de Marie, que l'imaginaire, c'est un outil. Alors, si je suis renfermé sur moi-même, je veux dire, j'imagine des choses. Je vais imaginer à mon genou que je suis là. Mais ça, c'est imaginer quelque part, c'est pas utiliser la conscience. Hein, le véhicule imaginaire, c'est être capable de comprendre quelque part que quand je suis en relation avec le véhicule imaginaire, je suis en train de pénétrer dans un univers qui est un univers quantique, un univers gigantesque, un univers infini. Dans lequel je peux voyager en moi. Mais même en voyageant en moi, je reconnais quelque part que cet univers dans lequel je voyage est en étroite relation avec quelque chose d'infiniment vaste et grand. C'est comme ça qu'on va apprendre justement à découvrir à quelque part la richesse de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, si on est renfermé sur soi en se disant je visualise et je pense à quelque part, mais je suis dans mon monde fermé. Quand je reconnais quelque part cet infiniment grand, je reconnais que mon imaginaire est en étroite relation avec un univers de sagesse infinie. Et c'est là, quelque part, qu'on aborde les annales akashiques, entre autres. C'est là qu'on commence à se sortir, je dirais, de cette croyance que l'on a que l'imaginaire, c'est ce que nous croyons que c'est. On croit que c'est ça, l'imaginaire, parce qu'on a l'impression d'être en contrôle sur cet univers-là. Quand on accepte que cet univers imaginaire-là, on ne le contrôle pas parce que c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, en fin de compte, pour accéder à l'univers superlumineux. Mais là, on commence à comprendre que l'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est quelque chose qui nous permet d'accéder à un autre univers que celui qu'on connaît. Celui qu'on connaît, c'est celui le monde de la matière. Et que quand je sors de cet univers-là, de le monde de la matière, j'accède à cet univers plus subtil, doté de sagesse à ce moment-là. Donc, il faut tuer le mental. Et là, j'ai du mal. Non, il ne faut pas tuer le mental, Dom Marie, ce n'est pas du tout le cas. Il faut reconnaître que le mental fait partie du processus imaginaire. C'est-à-dire que moi, si je dis, par exemple, que je vais voyager
dans cet univers quantique, j'accepte donc de reconnaître que mon mental peut intervenir dans le voyage quantique que j'effectue et je vais simplement reconnaître que mon mental, lorsqu'il intervient, fait partie du processus quantique. C'est-à-dire que je vais reconnaître que si mon mental intervient en me disant j'ai peur, par exemple, ben moi, je vais simplement m'adresser à mon mental en lui demandant pourquoi as-tu peur, etc., etc. Donc, on inclut le processus intellectuel qui va se manifester à moi parce que je suis dans une position de témoin. La position de témoin me permet de constater que toutes les manifestations imaginaires que je vais capter, qu'elles soient visuelles, auditives, sensitives, gustatives, au niveau de l'odorat, je vais prendre le temps de simplement reconnaître que ces manifestations-là sont des signaux d'information que je vais prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer et soigner. C'est comme ça qu'on va procéder pour parvenir à effectuer cette démarche-là. Donc, j'espère que ça avance un petit peu, que le métier commence à, pas le métier, mais la connaissance par rapport aux années cachées commence à se manifester. Mais vous comprendrez quelque part que tout ça, c'est pas, j'aurais envie de vous dire que c'est pas une approche théorique qu'on est en train de parler, c'est une approche expérimentale. Et l'approche expérimentale, ben la chose la plus simple pour la faire, pour l'expérimenter, cette approche expérimentale, c'est la pratique de l'enracinement que l'on retrouve dans le module 1 de l'introduction en ligne ou ce qui est enseigné dans l'introduction, le week-end d'introduction. Cette technique-là de l'enracinement nous permet de comprendre de quelle façon que l'imaginaire peut me permettre de voyager en moi et de découvrir que je peux constater qu'en faisant ce voyage-là, je peux constater qu'il y a des moments dans mon corps où l'énergie circule pas bien et dans d'autres moments, d'autres endroits, ça circule bien. C'est là que je commence à comprendre quelque part que ce voyage-là, qui est un voyage imaginaire, commence à me mettre en relation avec la matière et avec de l'énergie qui est en moi, puis de l'information qui anime cette énergie-là. Donc, la pratique de l'enracinement est une belle façon de commencer à s'ouvrir à cette réalité-là. Et je vous encourage, donc, pour ceux qui n'ont pas expérimenté, tel que moi je le propose, hein, parce que la façon que je le propose est beaucoup plus longue que la moyenne de ce qui est proposé souvent dans la pratique de l'enracinement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire un enracinement qui n'est pas. Je veux faire un enracinement dans lequel je vais développer de la pleine conscience intuitive, donc pleinement conscient de ce qui se passe en moi pendant que je fais l'enracinement. C'est pour cette raison-là que je vais le proposer d'une façon plus longue. Donc, ceux qui ne l'ont pas expérimenté, je vous invite à l'expérimenter. C'est la base. À partir du moment qu'on a fait l'enracinement, on comprend qu'il y a un soleil qui va se manifester au niveau de notre cœur, l'expression de la terre et du ciel. Et c'est à l'aide de ce soleil-là qu'on va pouvoir faire des voyages. Parce que ce soleil-là va être ma référence intuitive, qui va faire que je vais pouvoir voyager dans mon corps, dans le corps d'un partenaire, dans tout ce que je veux, à partir du moment que ce soleil-là va être reconnu. Ah, vous voyez qu'il y a une forme de simplicité dans l'approche. Un enfant le comprendrait très facilement puis le vivrait très facilement. Nous, notre problème, souvent, c'est qu'on essaie de comprendre avec notre tête et on va bloquer le processus parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on va essayer de chercher une logique dans ce qu'on va vivre. Puis c'est là qu'on va souvent s'embourber parce que le processus intuitif nous amène dans un univers qui n'est pas justement rationnel, qui n'est pas intellectuel. C'est un univers dans lequel il y a d'autres règles et d'autres lois qui se rapprochent d'un univers quantique qu'on apprend de plus en plus à reconnaître maintenant et à définir. Et je pense que c'est là qu'il faut justement comprendre que à travers ce monde, ce voyage qu'on effectue, ben, à quelque part, il faut apprendre justement à se laisser guider dans le processus intuitif. Et dans ce sens-là, c'est accepter que le véhicule imaginaire va nous permettre donc d'accéder à une forme de conscience intelligente qui va nous amener dans son univers progressivement. Et c'est là qu'on va vraiment découvrir ce qu'est la pleine conscience intuitive. C'est quand on n'est plus en contrôle et qu'on se laisse guider par le processus intuitif qui est présent dans la démarche. Alors ça, c'était donc la première étape que je vous ai présentée. C'était le voyage en pleine conscience intuitive. Donc, de quelle façon qu'on peut faire des voyages. Je pense qu'on a un petit peu répondu, je pense, de quelle façon que ça pouvait se faire concrètement aussi. Il y a des questions qui m'avaient été posées en ce sens-là. Mais n'hésitez pas, si ce n'est pas très clair pour vous, d'y revenir. La deuxième étape que j'avais envie de vous parler, c'est l'observateur témoigne de l'intelligence limitative expansive. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, en tant que témoin, je deviens un observateur. C'est-à-dire que quand je fais ces voyages, je suis témoin de ce qui se passe à travers les perceptions visuelles, auditives, sensitives que je vais découvrir à travers la pratique que je vais faire dans ces voyages où je vais voyager en moi, voyager vers un partenaire, voyager dans la matière. Bon, on a vu qu'il y a plusieurs types d'exploration que l'on pouvait effectuer. Et dans ce voyage-là, qu'est-ce que je vais apprendre à constater? C'est que deux types de mémoires qu'on va retrouver dans les annales akashiques. Et c'est important de bien cerner ça parce que ça fait vraiment partie du processus intuitif.
Il y a les intelligences, les mémoires limitatives et les mémoires expansives. Les mémoires limitatives, j'en ai un petit peu parlé, c'est tout ce qui s'appelle mémoire figée associée à des expériences de vie passée. Par exemple, je me mets en relation avec un soldat de la Rome antique qui, finalement, vit un grand drame parce qu'il se sent abandonné. Je reviens avec l'idée de l'abandon. Il se sent abandonné par les êtres qu'il aime, par exemple. Alors, ça veut dire que on a beau parler d'une mémoire d'autre vie, de ce Romain, hein, de la Rome antique, ce guerrier de la Rome antique qui se retrouve dans une position où il vit une forme d'abandon. Mais même si on parle de cela, on doit comprendre une chose, c'est que ce soldat-là, quelque part, qui vit une blessure émotionnelle, ben, quelque part, il n'est plus dans cette époque-ci. On n'est plus du tout en liaison avec cette époque-ci. Là. C'est une mémoire très lointaine. Alors, si cette mémoire très lointaine est encore présente, c'est parce qu'effectivement, il y a une charge émotionnelle qui est restée figée dans l'espace-temps et qui fait qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de changement dans cette mémoire-là. Donc, c'est un peu comme si cette mémoire-là était encore dans la souffrance, alors que finalement, elle a pu être dans la souffrance puisqu'elle n'existe plus, hein, dans un sens terrestre. Mais dans le sens quantique, on comprend que même si cette mémoire-là a déjà existé, elle peut demeurer vivante parce qu'elle est nourrie par les vibrations d'abandon que des êtres humains que tous les êtres humains qui vivent sur Terre vont expérimenter, vont vivre. Et il va y avoir donc une genre de nourriture qui va s'effectuer, hein, qui va stimuler, qui va amplifier quelque part cette expérience-là, qui va nous garder donc dans une forme de souffrance par rapport à cela. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle la mémoire limitative, qu'on va, dans un voyage dans les années akashiques, constater qu'on peut rencontrer, évidemment, plusieurs de ce type de mémoire-là qui va finalement nous refléter de la souffrance, de la douleur. Ça peut aussi nous refléter des potentiels positifs, hein, mais c'est toujours associé quand même à une expérience égoïque qui est limitée, qui est figée et qui fait qu'effectivement, elle n'est pas capable d'évoluer, de progresser dans le sens de changer les choses, de se détacher d'eux. Alors, quand on comprend ce qu'est maintenant la mémoire expansive, c'est une mémoire qui se sort de l'ego et qui commence à se mettre en relation avec un potentiel évolutif. Alors, quand on commence à comprendre que la mémoire, il y a une mémoire limitative puis une mémoire expansive, on comprend que la mémoire expansive va nous donner l'opportunité de se rendre compte que dans ce voyage dans les années akashiques, on va rencontrer donc des mémoires qui sont figées par de la souffrance et de la douleur et des mémoires qui ont une volonté d'évoluer, de progresser. Alors, on pourrait dire qu'il y a deux types de mémoires, puis on pourrait simplement dire, ben voici, dans les années akashiques, il y a des mémoires limitatives et des mémoires expansives. Ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on comprend que quand on utilise le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, on va pouvoir interagir avec les mémoires limitatives. Et si j'interagis avec les mémoires limitatives, ça veut donc dire que je suis capable de leur donner tout ce qu'elles ont besoin pour ne plus être limitées, pour ne plus être figées. Alors, quand je fais ça, ben, ça me permet justement de constater que les mémoires vont donc se transformer. Et si elles se transforment, elles vont pouvoir justement devenir expansives et évolutives. Donc, vous comprendrez ici qu'il y a un beau voyage dans les années cachées qui peut être effectué, dans lequel on va apprendre évidemment à constater qu'on peut raisonner avec des mémoires figées qui nous reflètent peut-être des expériences que nous-mêmes avons figées en soi. Et quand on commence à appliquer le décodage, la déprogrammation et les soins, bon, on apprend justement à expérimenter, à interagir avec ces mémoires-là pour qu'elles ne soient pas figées, qu'elles se libèrent, qu'elles se dégagent et qu'elles nous mettent en contact avec des potentiels évolutifs qui sont en soi, qu'on n'avait peut-être pas entrevus jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez que les années cachées peuvent être vraiment un voyage fort intéressant pour nous sortir justement de tout ce qui pourrait être associé à la dualité. La dualité, c'est que il y a des mémoires négatives, on les appelle comme ça, qui sont plus de la souffrance, puis des mémoires plus positives qui seraient plus associées à des mémoires évolutives. Et là, quand on commence à jouer avec la pleine conscience intuitive, on comprend que même les mémoires dites négatives peuvent être transformées, changées, pour nous permettre donc d'accéder à des transformations qui vont nous donner accès à un potentiel évolutif de plus en plus important. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette deuxième étape là, que je voulais partager avec vous, cette deuxième étape du processus intuitif, dans lequel on va apprendre justement donc à ne pas rester figé par rapport donc aux expériences qui peuvent se présenter à nous dans le processus intuitif qu'on va effectuer. OK, donc, je pense qu'il n'y a pas de questions sur cette deuxième étape-là, donc on va simplement pouvoir poursuivre. Donc, s'il y a des questions entre-temps, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, la troisième étape que j'avais envie de vous parler, c'est le créateur crée.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le créateur crée? Mais ça fait référence un petit peu à cette notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette capacité que moi, j'ai lorsque je fais des voyages à ne pas laisser simplement les informations qui se manifestent à moi comme étant des constats que je ne peux rien faire, que je ne peux simplement que subir. C'est là que je commence à comprendre que je peux être créateur. Créateur, ça veut donc dire que je peux interagir avec les mémoires, qu'elles soient limitatives, qu'elles soient expansives, pour leur donner ce qu'ils ont de besoin pour justement me permettre d'actualiser des potentiels évolutifs dans les mémoires que je capte. Et évidemment, le fait qu'elles se transforment puisse me permettre aussi d'accéder à quelque chose de plus fluide en moi, un peu comme si je faisais un travail de guérison à l'intérieur de moi-même, à mesure que je fais un travail sur ces mémoires-là aussi. Donc, c'est là que ça devient comme fort intéressant de constater que le voyage me permet donc de constater que ce que je vais capter dans les mémoires des années cachées vont me refléter un certain nombre d'informations qui sont associées à mes limitations à moi et que le travail que je vais effectuer de décodage, déprogrammation et soins va me permettre donc de me libérer de ces programmations-là, de ces limitations-là. Donc, c'est fort intéressant de pouvoir comprendre cela. Après, donc, ça c'était pour la troisième étape. Donc, la quatrième étape, c'est le guérisseur qui soigne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que pendant que je fais ce voyage-là dans de pleine conscience intuitive, dans les annales akashiques, je vais donc interagir en tant que soignant avec les mémoires qui se trouvent présentes. Si on prend le concept, justement, des mémoires, en fin de compte, du roman, du guerrier de romantique qui se sentait abandonné, ben je peux donc finalement déprogrammer, lui donner tout ce qu'il a besoin pour qu'effectivement il y ait quelque chose qui soit de plus en plus harmonieux qui puisse se faire. Puis évidemment, quand j'utilise les techniques de guérison, de soins, je vais donc pouvoir interagir avec ces informations-là. Et si j'interagis avec ces informations-là par des techniques de soins, comme envoyer de l'énergie dans une mémoire, ou quand je commence justement à faire des interventions énergétiques au niveau des chakras de la mémoire en question, ou que je peux effectivement faire un travail sur les fascias des mémoires en question, donc je donne des exemples de ça, pour vraiment comprendre à quelque part que quand on commence justement à interagir avec les mémoires, ben je suis en train de leur donner l'opportunité de pouvoir justement les équilibrer d'un point de vue énergétique. Donc, non seulement je vais déprogrammer leur limitations, mais je vais également favoriser une meilleure circulation énergétique dans chacune d'elles, qui va permettre effectivement de leur permettre d'augmenter leur potentiel évolutif et de me permettre aussi, moi, de pouvoir me rouvrir à leur potentiel évolutif et de pouvoir bénéficier de ce potentiel évolutif-là comme étant des réponses, hein, quelque part comme des voies d'accès pour ouvrir ma conscience à des niveaux plus vaste également. Alors, c'est un petit peu qu'on va chercher à faire lorsqu'on effectue ce type de soins-là. Et Chantal qui me dit le troisième point est incompréhensible. Donc, le troisième point, on parlait du créateur qui crée. Alors, le créateur crée à quelque part, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je suis capable donc d'interagir avec la mémoire pour lui donner tout ce dont elle a besoin. C'est ce que je faisais référence à la déprogrammation de la mémoire cellulaire en mettant en évidence du créateur, c'est-à-dire que je peux donner à l'information tout ce dont elle a besoin pour qu'elle se transforme. Puis par la suite, je peux utiliser les techniques de guérison pour soigner ces mémoires-là, pour parvenir justement à ce qu'il y ait un travail d'équilibre et d'harmonie qui puisse s'effectuer. Donc à travers ce processus-là, je vais pouvoir justement me dégager progressivement de l'aspect figé des mémoires pour accéder au potentiel évolutif qu'elles me manifestent et ainsi donc pouvoir les actualiser après ça dans ma propre conscience pour en bénéficier comme des énergies de libération qui vont se faire dans ma propre conscience. Si on regarde maintenant une question qui m'est posée, c'est si on a une maladie génétique, on peut aussi soigner via les mémoires dont tu parles. Bien sûr que il y a toute une démarche, comme j'ai déjà dit, qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle l'épigénétique, qui met en évidence à quelque part que toute maladie génétique pourrait effectivement être transformée. Et cette transformation-là, justement, pourrait nous amener à être capable donc de faire un travail sur des maladies génétiques. Et c'est certain que les maladies génétiques, qu'est-ce que c'est? C'est dans le code d'ADN hein, qu'on retrouve les gènes. On peut penser évidemment que l'ADN est capable d'absorber la lumière biolumineuse. Et évidemment que quand on commence à comprendre que l'énergie, la lumière est animée par de l'information, on peut comprendre que le code génétique émet donc de l'information dans la lumière et que moi, en tant que thérapeute intuitif, je vais constater que l'énergie qui est émise
par les cellules du corps vont être animées par de l'information, et ces informations pourraient correspondre au matériel génétique associé donc à l'individu. Donc le fait de travailler sur le décodage des promotions et soins, ben, on pourrait penser effectivement que ça peut avoir une action, un impact sur la maladie génétique. Une autre question qui m'est posée, c'est lorsque l'on se soigne de nos mémoires, est-ce que ces mémoires restent dans les annales? Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une question à laquelle j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a tout le temps, quelque part, à comprendre que la mémoire dont il est question ici est une mémoire, par exemple, si on parle d'une mémoire d'autre vie, cette mémoire-là, je peux interagir avec elle et moi, je peux donc effectivement la libérer, la dégager. Mais évidemment, dans l'ensemble de la mémoire collective, dans l'ensemble des êtres humains sur Terre, il y a donc une interaction qui va exister entre l'ensemble des êtres vivants sur Terre et cet univers subtil-là, ces anakashiques-là. Et donc, à ce moment-là, évidemment, les mémoires sur lesquelles on travaille peuvent être effectivement reprogrammées, reconstruites par l'ensemble des êtres humains vivant sur Terre. Par exemple, moi, je peux travailler sur un aspect de la colère, mais s'il y a un moment de colère qui est émis sur Terre, bien, quelque part, cette mémoire-là peut se réactualiser à travers un processus relié simplement au fait que beaucoup d'êtres humains ont de la colère puis qui vont nourrir énormément cette dimension de colère dans les anakashiques. Donc, évidemment, on pourrait dire ça comme ceci, c'est que oui, lorsqu'on soigne nos mémoires à nous, évidemment, on va pouvoir justement contribuer à amener une transformation. Alors, il faut comprendre que la mémoire, elle est, si on fait un travail sur elle, on va la défiger. Donc, si on la défige, ça veut dire qu'elle est plus programmée, elle est plus limitée. Et si on parvient à vraiment faire un travail en profondeur là-dessus, bien, cette mémoire-là va effectivement se libérer, se dégager, puis on n'aura plus besoin justement de travailler dessus, parce qu'on s'en aura libéré. Est-ce que c'est ça un peu l'idée du travail qu'on peut effectuer dans les annales akashiques? On va donc passer à l'étape de la cinquième étape permettant justement d'accéder aux annales akashiques et à la connaissance universelle. Alors, c'est ce que je nomme l'observateur intégré et qui intègre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire effectivement que lorsque j'effectue ce voyage dans les annales akashiques, ce que je vais constater, c'est que par le biais donc du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins, je vais parvenir justement à effectuer donc un travail sur les diverses manifestations avec lesquelles je vais être en contact pendant mon voyage dans les annales akashiques. Et ce travail-là, justement, va me permettre donc progressivement de pouvoir, d'une part, être capable de développer une compréhension de ce qui anime la conscience avec laquelle je suis en contact. D'autre part, de déprogrammer tout ce qui est figé, tout ce qui est limité qui se trouve présent. Et ensuite, évidemment, de faire un soin qui va permettre de rétablir justement le travail énergétique dans la mémoire question. Alors, en faisant ce travail-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais effectivement permettre donc, à toute forme de manifestation mémorielle avec laquelle je vais être en contact dans les années akashiques, de pouvoir justement faire en sorte qu'elle me dévoile son intelligence et sa sagesse. Alors, c'est ça un petit peu que l'on va chercher à faire. Puis, à travers ce processus-là où la sagesse se dévoile à moi, ben moi, en tant qu'observateur, je vais donc bénéficier de ce savoir-là, de cette actualisation de l'essence fondamentale qui va m'être reflétée par le travail que je vais effectuer dans les anakashiques, et je peux ensuite favoriser donc une intégration dans ce processus-là. Donc, en fin de compte, c'est ça un peu qui va faire qu'on va retrouver donc les fameuses cinq étapes. C'est que le processus des cinq étapes, je vais vous les répéter ici pour que vous puissiez bien y comprendre. Donc, la première étape, c'est que moi, je vais apprendre à faire un voyage en pleine conscience intuitive grâce au support imaginaire qui va me permettre de voyager dans divers univers subtils. Et ces univers subtils-là vont me permettre de constater qu'il y a donc un lieu physique. Je peux voyager dans les lieux physiques, on l'a vu au début de la conférence. On peut donc travailler dans des lieux intersidéraux, dans l'espace, etc. Donc, des lieux à quelque part qui sont associés à une matière objective. On peut voyager dans tous ces univers-là pour comprendre quelque part que dans la matière, il peut se trouver donc de l'information, une connaissance qui va m'être transmise par le décodage des promotions et soins. Il y a évidemment, on a vu qu'on pouvait travailler dans l'univers énergétique,
l'univers psycho-émotionnel et l'univers spirituel. Donc, à travers ce voyage-là, je vais donc communiquer avec un savoir immensément vaste et par le biais du décodage, des formations et soins, je vais pouvoir interagir avec chacune de ces informations-là pour me permettre donc de pouvoir bénéficier de la connaissance qui peut m'être donnée par ces contacts-là. Et en faisant ça, bien évidemment, je vais pouvoir commencer justement à pouvoir vraiment enrichir mon être de ces voyages que je vais effectuer, des voyages que je peux faire pour me soigner moi à travers les années akashiques, mais c'est des voyages aussi qui peuvent être carrément des voyages pour soigner une autre personne, mais des voyages également d'exploration aussi que l'on peut effectuer pour découvrir justement de quelle façon qu'on peut effectuer un travail dans ces univers-là et interagir avec celui-ci. Puis les techniques qui sont proposées, décodage, déprogrammation et soins, vont nous permettre donc de pouvoir épurer la mémoire qui se trouve dans l'univers, dans les annales akashiques, pour parvenir donc à favoriser un plus grand bien-être, un plus grand équilibre. La deuxième étape que j'avais proposée, c'était l'observateur témoigne de l'intelligence limitative expansive. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que souvent, on a souvent entendu parler, par exemple, du bas astral et du haut astral. Le bas astral, c'est mémoire négative. Le haut astral, c'est mémoire évolutive. On pourrait voir ça d'une façon caricaturale, comme je viens de le nommer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'intelligence limitative, c'est ce qu'on pourrait appeler, entre autres, le bas astral, c'est-à-dire tout ce qui correspond à des mémoires figées, à des mémoires de douleur, de souffrance. Alors, évidemment, en tant qu'être faisant des voyages dans les années akashiques, ce que je vais chercher à faire, c'est que chaque fois que je vais rencontrer des mémoires limitatives, je vais chercher justement à pouvoir comprendre la raison d'être de leur souffrance et de faire un travail de déprogrammation pour libérer justement ces mémoires-là, pour leur donner l'opportunité justement de ne pas rester dans leurs limitations et me permettre de constater que chaque mémoire limitative possède un potentiel évolutif et que quand je commence justement à interagir avec chacune d'elles, ben je vais faire en sorte de pouvoir me mettre en communication avec le potentiel évolutif qui va me permettre donc de découvrir que toute forme de mémoire, quelle qu'elle soit, toute forme de conscience avec laquelle je vais travailler lorsque je fais un voyage dans les années akashiques, ben effectivement, toutes ces informations-là vont avoir un potentiel d'évolution. Et mon travail va consister, par le biais du décodage intuitif, de comprendre la raison d'être de la souffrance, de la douleur ou du message. Ensuite, par la déprogrammation, de pouvoir parvenir justement à transformer la mémoire en question. Puis ensuite, évidemment, la technique de soins que je vais pouvoir ensuite aborder comme action thérapeutique pour permettre justement à cette mémoire qui était limitative de devenir expansive et en harmonie avec moi-même, en harmonie avec l'univers. C'est ça un peu l'objectif qu'on va se fixer à travers cela. La troisième étape maintenant, pour revenir sur une genre de conclusion, hein, la troisième étape, c'est le créateur crée. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand je fais ce voyage dans les annales akashiques, je ne suis pas en train de subir les annales akashiques. Je suis en train de reconnaître que je peux interagir avec les annales akashiques et donner à ces annales akashiques-là tout ce dont elles ont besoin pour que justement je puisse davantage me mettre en relation avec une forme d'évolution dans cet univers-là. Alors, cet univers-là qui va évoluer va me permettre justement de comprendre que je suis en contact avec des ressources créatrices, avec des énergies évolutives qui vont me permettre d'évoluer, de progresser tout au long de mon cheminement. Alors, vous voyez que c'est ça qui va être vraiment fort intéressant avec cette troisième étape-là, le créateur crée, c'est de bien comprendre conscience qu'on ne subit pas les années akashiques, qu'on peut vraiment interagir avec elles, qu'on est créateur et qu'on peut vraiment donc se libérer des programmations limitatives qui sont associées, qui nous sont reflétées dans les années akashiques pour accéder donc à des ressources guérisseuses et créatrices. La quatrième étape, c'est le guérisseur qui soigne. Ça veut donc dire que dans chaque fois que je voyage dans les années akashiques, je peux donc intervenir sur toute forme de manifestation avec laquelle je suis en interaction, par le biais de décollage intuitif pour la connaissance, la déprogrammation pour la libération des programmations mémorielles et pour les techniques de soins, je vais chercher justement à pouvoir interagir dans l'énergie de la conscience avec laquelle je suis pour chercher à équilibrer les flots énergétiques qui sont en elle. Je peux intervenir tant dans la conscience mémorielle qui se manifeste à moi, qui peut se présenter à moi comme un être humain finalement. Donc, je vais pouvoir faire un soin visant à équilibrer son énergie des pieds jusqu'au sommet de la tête, par exemple. Mais je peux également faire un travail sur ses chakras. Je peux faire un travail sur ses fascias. C'est toutes des techniques que l'on voit dans les formations que j'enseigne.
Alors, c'est toutes des façons d'interagir avec le corps d'une façon différente pour favoriser un équilibre de plus en plus important dans la conscience avec laquelle j'interagis. Et plus je fais ce travail-là, mais plus évidemment, je contribue à harmoniser les états de conscience avec lesquels je suis en interaction pour que ces énergies soient plus en plus en harmonie avec elles-mêmes, avec l'univers, mais aussi avec ma propre conscience. Et c'est ce qui va me donner justement des reflets pour m'amener tout doucement donc à recevoir de nouveaux regards sur moi-même qui vont me permettre d'évoluer, de progresser et de cheminer. Et une question qui est posée, est-ce que quand tu fais les soins, tu es aidé par des guides? Alors, oui, bien sûr, mais en même temps, j'aimerais bien préciser ce que je veux dire par là. Quand on travaille dans les années akashiques, on est en relation avec une conscience. Cette conscience-là, quelque part, c'est une conscience intelligente, c'est une connaissance universelle qui est là. Cette connaissance universelle, est-ce que ce sont des guides? Oui, on pourrait les appeler comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute manifestation, quand je suis dans les années akashiques, toute manifestation intelligente qui est présente, ce sont des guides. Ça veut donc dire que quand je communique avec, par exemple, l'individu à quelque part qui est bossu, qui a une grosse verrue sur le bout du nez, et qui est dans un état de souffrance, et qui est très jaloux, et qui voudrait tuer tout le monde, bien, cette mémoire-là, quelque part, à laquelle je suis en contact, pour moi, est une forme de guide. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette mémoire-là, quelque part, a une conscience limitée, qui est figée, qui est dans une souffrance. Et si elle est en interaction avec moi, c'est sans doute parce que cette mémoire-là a un message à me transmettre. Et si je suis capable de rester dans une position de décodage, déprogrammation de soins vis-à-vis de cette mémoire-là, ce que je vais faire, c'est que je vais contribuer à lui donner l'opportunité de se libérer de sa programmation et je vais pouvoir accéder donc à la connaissance qui est associée à cette mémoire-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir découvrir qu'elle a des informations à me transmettre qui vont me nourrir et m'apporter un processus d'évolution plus important. Alors, vous voyez que c'est ça qui devient fort intéressant dans le travail qu'on effectue, c'est qu'on comprend que la connaissance universelle, elle se manifeste sous diverses formes qui peut paraître très, très négative dans les sphères les plus basses et qui peut paraître très, très évolutive dans les sphères les plus hautes. Mais quand on comprend comment fonctionne la pleine conscience intuitive, on comprend qu'il n'y a pas de jugement qu'on effectue par rapport à la manifestation qui se présente à nous. On va simplement accueillir ce qui est là et on va apprendre justement à comprendre que chaque information qui est présente, elle a donc un message à nous transmettre, une connaissance à nous donner. La déprogrammation va nous donner l'opportunité de la libérer, cette mémoire-là, de tout ce qui pourrait être figé en elle, et les soins vont nous permettre de rétablir les flux énergétiques. C'est comme ça qu'on va pouvoir parvenir à favoriser donc un équilibre plus important. N'est-il pas préférable de travailler sur notre corps d'ici et maintenant, mettre tout à plat dans nos sensations de notre corps avant d'aller dans les annales? Dom Marie, oui, bien sûr, je te dirais que oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on va dans les annales, tout ce qu'on va rencontrer dans les annales sont un reflet de c'est des résonances qu'on va avoir avec nous-mêmes. Donc, dans ce sens-là, tout le travail que tu fais sur ton propre corps dans le ici maintenant, c'est pas tout à fait vrai d'une part que tu vas travailler sur ton corps dans le ici maintenant. Ton ici maintenant, c'est un reflet de ton passé, présent et futur, qui dans cet univers subtil-là, dans l'univers quantique, existe de façon simultanée. Donc, quand tu dis, n'est-il pas préférable de travailler sur mon corps dans le ici maintenant, tu fais référence à une matière physique terrestre et tu négliges à quelque part cette réalité quantique dans laquelle le ici maintenant englobe le passé, présent et futur. Donc, quand on travaille dans les annales akashiques, ce qu'on va mettre en évidence, c'est qu'on travaille sur tout cet ensemble d'informations passé, présent et futur. Donc, c'est ça un peu que je te répondrais par rapport à ça. Bien sûr que travailler sur soi, dans notre corps, dans notre ici maintenant, dans notre présent, c'est une chose essentielle. Mais encore là, si on reconnaît que ce corps qui est dans le ici maintenant est relié donc à l'univers quantique, bien évidemment, on n'est pas loin de ces annales akashiques-là. Quand je fais un voyage dans mon propre corps pour me soigner, bien, quelque part, je suis en train de me mettre en relation avec les annales akashiques, avec l'univers quantique. Donc, on n'est pas loin de jamais de tout ça finalement. Donc, je te dirais que dans ce sens-là, évidemment, il y a une façon de travailler. C'est-à-dire que si on veut travailler sur la santé, ben, on n'a pas besoin d'aller dans les annales akashiques d'une façon trop importante. On peut le faire d'une façon beaucoup plus relaxe, beaucoup plus
en travaillant sur l'auto-guérison, par exemple, d'une façon plus organisée sur les organes, les systèmes du corps. Si on travaille sur l'aspect psycho-émotionnel, on n'est pas obligé d'aller dans les annales akashiques puis voyager dans l'ensemble de la connaissance qui est là. On peut vraiment être très focusé. Mais là, on touche encore là la pédagogie. C'est-à-dire que moi, ma façon d'enseigner, quand je vous parle des annales akashiques, je vous parle d'une. Que les annales akashiques, c'est la conclusion d'un enseignement que je donne. C'est-à-dire que la pleine conscience intuitive vous enseigne à voyager dans diverses sphères. Alors, à la fin de la formation, vous avez appris à voyager dans toutes ces sphères-là, à comprendre toutes les applications, puis à vous dire, ah, ben finalement, je peux voyager partout où je veux. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce que sont les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un peu la finalité d'un processus qui se fait à travers un enseignement, à travers un apprentissage, que je vais vous présenter donc à la toute fin de la conférence également. Pour la consultation d'orientation, tu peux en faire par Skype. Si on est en France, ça coûte combien? Alors, c'est une question technique que je vais répondre rapidement. C'est que les consultations d'orientation sont des consultations de base pour une première fois, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation globale d'une personne. Ça peut se faire par Skype, par téléphone et en personne. Alors, évidemment, là, je suis en France présentement, mais je suis à la fin de mon voyage. Je vais revenir au Québec bientôt et je fais évidemment des consultations par Skype, par téléphone. C'est 75 euros pour une consultation. C'est un peu moins cher si on en prend 5 par Skype ou par téléphone. Et c'est un peu plus en présentiel. Ça dépend où est-ce que dans quelle région de la France, etc. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je pourrais vous donner par rapport à ça. Le plus simple, Magali, c'est de communiquer avec moi directement pour pouvoir prendre le temps d'expliquer la chose. Ensuite, donc, comme conclusion par rapport à ces 5 étapes-là, il y avait la cinquième étape que je n'avais pas, j'avais fait une genre de rétrospective. Je reviens donc avec la cinquième étape qui propose donc l'observateur qui intègre. Alors, ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire pourquoi on fait des voyages dans les annales akashiques? On fait des voyages dans les annales akashiques parce que ça nous permet de nous mettre en relation avec cet immensément vaste qui est la connaissance universelle et de constater que dans ce voyage-là, l'univers va un peu comme le principe de la loi d'attraction. Et quand je suis dans le monde terrestre, je constate que les rencontres que je fais dans ma vie de tous les jours vont me refléter sans doute des choses que j'ai à travailler sur moi-même. Quand je rentre dans cet univers subtil-là, dans les annales akashiques, dans l'immensément vaste, je vais constater que j'émets quelque chose et que cette connaissance universelle, cet immensément vaste-là, va me refléter certains éléments sur lesquels je dois travailler. Et c'est pour ça que les annales akashiques deviennent intéressantes, parce qu'au début, ce qu'on va rencontrer, c'est souvent de la matière sur laquelle on a un travail à faire pour nous permettre donc de dépasser justement les limitations, pour nous permettre donc de comprendre qu'il est possible donc de voyager d'une façon plus large avec le temps, pour être capable d'avoir accès à une connaissance de plus en plus large et de plus en plus universelle et de moins en moins orientée vers moi. C'est comme ça qu'on va pouvoir effectuer un travail. Et l'observateur qui intègre, bien évidemment, ça veut dire qu'à travers ce travail qu'il fait dans les annales akashiques, il apprend tout doucement à reconnaître qu'il est en train de changer, parce que le travail qu'il effectue dans les annales akashiques de décodage, de déprogrammation et de soins va avoir carrément un impact sur lui. Il le ressent d'ailleurs dans le travail qu'il effectue, ce qui va lui permettre donc de favoriser un travail de guérison, en fin de compte, sur lui-même à travers ce voyage dans les annales akashiques. C'est un peu l'objectif, hein, de ce travail que l'on effectue dans les annales akashiques, ainsi de pouvoir favoriser une plus grande harmonisation avec soi-même. Et dans l'enseignement que je donne, il y a donc un volet de formation personnelle et un volet de formation professionnelle. Et dans ces deux enseignements-là, on fait un tour d'horizon de toutes les grandes applications de la pleine conscience intuitive, qui inclut, en fin de compte, tout ce qu'on a vu aujourd'hui et plus encore, parce qu'évidemment, j'ai pas été dans le détail de toutes les applications, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment 15 modules dans la formation personnelle. Et vous avez en plus de ces 15 modules de formation personnelle, 3 nouveaux modules qui sont inclus, okay, dans lesquels il peut y avoir comme qui sont inclus et quelque part qui vous permettent donc d'accéder à de nouveaux enseignements qui peuvent être intéressants sur l'éveil, sur la pleine conscience intuitive, sur le médiateur de l'invisible et le passeur d'âme. Donc, c'est toutes des choses quelque part qui vont vous permettre donc d'enrichir votre pratique et vous donner l'opportunité d'avoir vraiment à la fin de la formation personnelle, un ensemble de connaissances vous permettant de pouvoir faire le voyage dans les annales akashiques d'une façon plus naturelle. Alors, tantôt, on me disait, comment va-t-on faire ça? Hein? Ben, c'est ça, justement. On commence par le début, comme dans toute chose. Hein? Par exemple, si moi, je veux développer un certain métier, je ne peux pas dire, bon, mais comment je peux faire ça? Je ne sais pas comment faire. Hein? Comment je pourrais faire ça? Mais ben, oui,
on va te le montrer, mais pour te le montrer, il faut effectivement qu'il y ait une pédagogie qui te soit enseignée. Et cette pédagogie va te permettre d'accéder à la finalité, c'est-à-dire à pouvoir dire, ben voilà, j'ai atteint l'habileté pour faire ces voyages-là. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va faire dans la formation personnelle, c'est qu'il y a 15 modules d'enseignement, donc il y a des enseignements progressés qui sont effectués avec un objectif constamment de chercher à augmenter, 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 donc l'habileté à le faire. Dans le contexte de formation professionnelle, on fait exactement la même chose, la formation personnelle, donc l'ensemble de la formation personnelle est proposé dans la formation professionnelle, plus évidemment des enseignements qui sont orientés sur la pratique vers soi et la pratique vers l'autre. C'est ça un peu qui va être la grande différence entre les deux. Peut-on faire les exercices de l'ancrage chez soi, dans sa chambre, sans forcément être toujours en nature? Absolument. On n'a pas d'aucune façon l'obligation d'être dans la nature quand on fait l'enracinement. Je pourrais me retrouver dans un immeuble au 25e étage et faire un enracinement. Et l'enracinement pourrait tout à fait être valable. Pourquoi je dis ça? Bien parce que je suis en antenne et l'imaginaire est un véhicule me permettant de voyager. Donc, ça veut dire que si je peux me mettre en relation avec une personne en Chine, ça veut donc dire que moi, je peux me relier à la Terre, même si je suis au 25e étage, ou même si je suis dans un avion, par exemple. Je pourrais très bien me mettre en relation avec l'énergie tellurique de la Terre, parce que je suis une antenne, et cette antenne-là, je suis capable de me relier à toute forme de vie grâce au support imaginaire que j'apprends à utiliser tout au long de la pratique. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'ensemble de la conférence? Parce que finalement, j'aurais présenté l'ensemble de ce que j'avais à vous proposer. Béatrice qui me dit, j'aimerais faire les 5 modules, mais je ne le retrouve pas sur votre site. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver? En fin de compte, je ne sais pas de quel. Quand tu me dis les 5 modules, je ne comprends pas très bien. J'ai parlé de 15 modules. Et également des possibilités de faire 5 modules. C'est pour ça que j'ai des doutes par rapport à ta question. Mais je vous dirais que si vous voulez directement aller voir l'ensemble des programmes d'enseignement qui sont proposés, je vous dirais d'aller sur le site thérapieintuitive.com et d'aller directement sur la page d'inscription, c'est-à-dire que il y a un bandeau sur la page d'accueil de ce site-là qui marque formation personnelle et ensuite formation professionnelle, ça change régulièrement. Et vous allez donc cliquer sur l'un ou sur l'autre pour pouvoir justement effectuer cela. Pour les 5 modules dont je t'ai parlé, Béatrice, je te dirais, va voir sur ces pages-là, elles sont inscrites, elles sont proposées. Les 5 modules, ce sont des modules sur l'auto-guérison. Il y a un module sur l'auto-guérison, comment s'auto-guérir, comment équilibrer nos émotions et comment s'aligner à notre dimension au soi supérieur et déprogrammer par les guides. Alors, ce sont des modules très spécifiques. Il y a 5 modules, des mini-consultations qui sont inclus là-dedans et ils avaient des webinaires. Donc, c'est une mini-formation finalement. Donc, dans la formation personnelle qui englobe tous les 3 volets que je viens de nommer. Et vous pouvez aussi choisir une mini-série de 5 modules. C'est possible de le faire. Et vous pouvez donc aller sur la page de Thérapie Intuitive, aller voir la formation personnelle et vous allez donc accéder donc à la proposition des 5 modules qui vous sont proposés. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe aux propositions que je voulais justement vous faire, parce que j'ai fait des petites propositions qui pourraient vous plaire. Évidemment, on est le 15 juin, mais je vais vous donner l'opportunité jusqu'au 18 juin de pouvoir justement vous inscrire pour ceux qui seraient intéressés. Alors, vous allez voir que sur les pages que je vous ai référées sur le site Thérapie Intuitive, vous allez tomber sur des pages de présentation de la formation personnelle avec les diverses propositions qui existent et la formation professionnelle avec les diverses propositions qui existent. Là, je vais vous faire une petite promotion qui n'est pas inscrite dans les pages que vous allez retrouver sur le site web parce que ce sont des promotions qui sont disponibles là tout de suite jusqu'à lundi soir. Donc, pour ceux qui seront intéressés, ce serait le moment de vous inscrire si vous êtes intéressé pour bénéficier des prix que je vais vous faire parce que c'est des offres qui sont quand même assez intéressantes. Donc, je vais le faire sommairement, OK? Alors, la formation personnelle. Alors, la formation personnelle, c'est une formation qui est de 995 euros ou dollars. Et là, c'est un prix spécial de 750 euros ou dollars pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire à la formation personnelle. Ça inclut quand même 12 mini-consultations qui ont un prix, une valeur réelle, puisqu'ils sont 12 mini-consultations avec moi que vous avez dans cette formation-là. Vous avez 15 modules, vous avez 15 webinaires. Vous avez également l'opportunité de participer à des pratiques supervisées en ligne si vous êtes intéressé.
Donc, vous avez quelque chose de même très intéressant, plusieurs heures d'enseignement en ligne que vous avez à travers cette voie-là. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire à cette formule-là. Et vous avez également la formation professionnelle qui est normalement de 3 000 700 euros, qui vous est proposé donc pour jusqu'à lundi à 3 000 euros ou dollars. Ça inclut donc 3 stages de 5 jours et donc vous avez un ensemble de formations très complètes aussi avec 12 000 consultations qui sont réparties dans la formation professionnelle également. Donc, encore là, pour des très belles valeurs qui se proposent à vous. Micheline me dit, pourrions-nous avoir une petite démonstration avec les annales? Merci. Bien sûr que ça va venir. Je vais peut-être juste finir les promotions, puis je vais demander, donc, il y a une personne qui pourrait peut-être se présenter en me disant moi, en simplement disant moi. La première personne qui dit moi, je vais donc lui dire que c'est, bon, ben voilà, c'est Lydie qui va donc participer à la petite démonstration que je vais faire dans un instant. Je vais juste terminer la petite proposition pour ceux qui s'intéressent. Alors, ceux qui sont intéressés simplement à faire la spécialisation numéro 1 de la formation professionnelle qui concerne les chakras, vous pouvez donc ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, c'est 1 250 euros dollars le prix normal. Vous l'avez à 995 euros dollars. Vous avez également l'introduction à la pleine conscience intuitive en ligne qui est 3 modules d'enseignement, donc le premier qui est gratuit. Ça a une valeur de 150 euros dollars. Je vous le proposerai à 99 euros ou dollars. En plus de cette introduction-là, je vous donne une proposition de suivre 8 heures d'enseignement de cette introduction-là sous une autre forme. C'était présenté avec des gens qui interagissaient avec moi. Vous pouvez donc aussi assister gratuitement à ça pour le même prix de 99 euros ou dollars. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Les forfaits auto-guérison, forfait harmonie des émotions, ou le forfait alignement au soi supérieur, ce sont 5 modules, vous avez 3 000 consultations, vous avez des webinaires également. Donc, ce sont des enseignements qui ont pour objectif de vous accompagner dans une démarche précise dans laquelle vous voulez vous auto-guérir, vous harmoniser à vos émotions ou développer votre dimension spirituelle. Alors, ce sont des enseignements qui sont à 350 euros dollars. Je vais vous le faire à 250 euros ou dollars pour ceux qui sont intéressés à ces enseignements-là. Donc, voilà. C'est un peu ce que j'avais à vous transmettre pour l'ensemble des propositions. Alors, si vous êtes intéressé, bien, vous avez jusqu'au 18 juin, c'est-à-dire lundi à minuit, pour pouvoir vous inscrire puis bénéficier de ces propositions-là. Vous devez le faire évidemment en me disant que vous voulez le faire, puisque, comme je disais tantôt, si vous voulez vous inscrire dans les pages en ligne, vous allez donc vous allez payer les prix normaux qui sont proposés. Donc oui, effectivement, vous pouvez me communiquer par mail et me dire que vous voulez vous inscrire. Puis à ce moment-là, on s'arrange et puis ça va être plus sympathique comme ça. On va pouvoir se parler également. Ça va être plus humain, pourrait-on dire. Comme ça peut être agréable également quelquefois de pouvoir avoir une relation avec les gens. Non, il n'y a pas de lien pour les prix promotionnels. C'est vraiment simplement que vous avez jusqu'au 18 juin pour vous inscrire. Vous m'envoyez un mail en me disant que vous souhaitez vous inscrire en tenant compte des promotions qui ont été faites. Et moi, à ce moment-là, je prends contact avec vous pour voir un petit peu comment on va procéder pour cela. Donc, Lydie, c'était toi qui avais été l'heureuse élue pour la petite démonstration. Est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais aborder? Tu as simplement à me le mentionner, Lydie, si tu le veux bien. Sinon, je vais simplement me mettre en relation avec ce qui va venir, tout simplement. Si tu veux un thème, on peut ne pas avoir de thème, c'est-à-dire que je me laisse guider parce que je vais simplement capter, mais si tu as un thème, ça peut être intéressant aussi. C'est pour toi, en fin de compte, hein, c'est plus pour toi. S'il n'y a pas de thème, tu me dis que j'y vais. OK, j'ai une kérato sur la tête. Alors ça, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est qu'une kérato. Je pense que c'est une irritation des cheveux qui... En fait, je ne sais pas trop. Hein. Une verrue, ça pourrait. Oh, mais là, tu me donnes des détails. Bon, on va y aller. Je vais sans trop savoir ce que c'est exactement en détail. Je vais simplement prendre le temps d'aller voir ce qu'il y en est. Puis je vais te dire ce que je perçois de ça, Lydie. Ça te va? Donc, on y va. Donc, alors évidemment, le processus normal, c'est l'enracinement pour commencer. On s'enracine pour commencer. En s'enracinant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, évidemment, on se prépare pour que notre antenne soit bien, bien stable, qu'on soit dans une position d'alignement tertielle.
Et à partir de là, bien évidemment, le voyage va consister évidemment de se projeter dans les annales akashiques, tout simplement. Bon, c'est sûr qu'avec la pratique, c'est plus facile qu'avec pas de pratique. Et on se le met en relation avec le thème qui est proposé ici par Lydie concernant donc le problème qu'elle a de kératose sur la tête. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'il y en est à ce niveau-là. OK, alors je vais te dire moi ce que je perçois, Lydie, et on va étudier la chose ensemble là-dessus. Alors moi, ce que je vois, c'est comme une mémoire d'autre vie dans lequel il y a donc c'est un individu quelque part, c'est un homme de la Renaissance, et cet individu-là, quelque part, c'est un homme qui a énormément, c'est un homme qui réfléchit, OK? Il réfléchit beaucoup, et son degré de réflexion l'a amené à quelque part à croire en une façon de voir les choses qui n'est pas partagée par la société dans laquelle il se trouve, mais il est tellement désireux de se faire entendre qu'il va essayer justement de ridiculiser des êtres de connaissance, des êtres de savoir qui sont proches du roi, et il va essayer quelque part de les ridiculiser en essayant donc de transmettre de l'information sur ce que lui connaît, ce que lui sait, ce que lui croit, et il va essayer donc de ridiculiser ces personnes-là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, quelque part, vont le découvrir, puis ils vont donc le faire arrêter, et ils vont, quelque part, le mettre dans une position où il va vivre une certaine forme de souffrance. La souffrance que je vois, c'est comme s'il avait, j'avais choisi de le mettre dans la terre, la tête qui sort de la terre. Et il y a des chevaux qui se mettent à passer sur la tête de cette personne-là, quelque part, un peu comme si on voulait justement, entre guillemets, détruire sa tête. J'exagère avec le terme que j'utilise, hein, parce que détruire sa tête, mais c'est un peu quand même ça que je vois dans cette scène-là, hein. C'est un peu comme une situation de destruction qui est là. Alors ça, c'est un peu la description que je viens de te donner, par rapport à cette première chose-là. Donc, je sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, parce que pour moi, c'est sûr que le lien que je fais avec toi, c'est que il y a quelque chose dans, il y a quelque chose en toi qui il y a une forme de connaissance qui une certaine originalité en toi et cette originalité-là quelque part n'a pas été reconnue, n'a pas été entendue et il y a une forme de honte, une forme de sentiment quelque part de malaise que tu peux ressentir en toi qui fait que tu ne peux pas accéder à cette connaissance-là qui la tienne parce que tu as l'impression qu'on ne te reconnaîtrait pas et qu'on ne te donnerait pas le droit de la manifester. C'est ça un peu que je sens de ça. Est-ce que tu me suis par rapport à ça, Lydie? Donc, j'ai vu que tu disais, quand tu étais très petite, je disais qu'avant j'avais la barbe, donc homme fort possible, OK. Oui, ça me parle, OK. Donc, là, ça, c'est une première chose, c'est un constat, on pourrait dire ça comme ceci. Alors, donc, évidemment, j'ai parlé longuement de la déprogrammation de la conférence. Donc, là, on va aller chercher une intervention. Comment peut-on déprogrammer la scène, cette scène-là, quelque part, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, quand on cherche à déprogrammer, la première chose que j'observe, c'est que cet individu qui se trouve à la Terre refuse d'entendre raison. C'est-à-dire que moi, je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et lui, c'est comme s'il se mettait très fâché et sa tête gonflait et toute sa tête devenait très, très comme gonflée de rage, de colère. Et comme ça, quelque part, il refusait de se retrouver dans une position où il allait être aidé. Comme s'il avait une volonté, lui, qu'il était un homme supérieur, d'une intelligence supérieure, il avait besoin de personne, parce que quelque part, comme il était d'une intelligence supérieure, bien, il avait donc accès à une connaissance supérieure, donc toute forme d'aide, il n'y en a pas de besoin, puisqu'il y a cette intelligence-là qui est en lui. Et tout ça, quelque part, l'amène, je sens ça un peu comme un excès d'orgueil là-dedans. L'excès d'orgueil, c'est un peu comme quelqu'un qui se dit, j'ai pas besoin de personne, je vais me débrouiller tout seul, alors qu'il a finalement besoin d'aide, là. Mais comme l'orgueil est présent, c'est comme s'il se refusait d'être aidé. C'est comme ça que je perçois ça dans un premier temps. Donc, on va maintenant poursuivre. Puis, tu peux me faire des commentaires, Lydie, sans problème, même pendant que je le fais. Maintenant, c'est comme si je sentais quelque part qu'il y avait de la tristesse chez lui. Et cette tristesse-là, quelque part, c'est comme si je sentais comme, là, je vais te donner l'exagération d'une souris qui est dans sa tête.
C'est comme ça que je vois ça, un peu comme un roc dans sa tête plutôt. Et que ce roc-là, quelque part, ben, il bouffe son cerveau. En fin de compte, c'est comme ça qu'on peut le percevoir. Et c'est un peu comme si ce cerveau, ce qu'on bouffe, l'action de bouffer le cerveau, mais c'est un peu comme si, à quelque part, lui, ce que je sens de lui, c'est un peu comme s'il disait quelque part qu'il refusait de s'écouter, il refusait de s'entendre, il refusait quelque part de développer un sens critique face à lui-même, comme s'il ne voulait pas se remettre en question. Il avait toujours raison. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Et ce que je sentais quelque part, qu'il y a un grand besoin d'amour, parce que malgré qu'il a l'impression, ça pourrait donner l'impression qu'il s'aime beaucoup, mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a un grand manque d'amour derrière tout ça. Et c'est pour ça que je vais justement intervenir en lui donnant de l'amour. Et c'est là que je sens comme des pleurs qui se manifestent, puis comme si effectivement la tête s'affaissait sur le sol. Il y avait beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, comme s'il avait l'impression d'avoir beaucoup donné. Un peu comme quelqu'un qui a donné beaucoup de son savoir, beaucoup de recherche, beaucoup de travail pour essayer de faire valoir ses points de vue, et que finalement, comme on ne l'avait pas reconnu, ben, quelque part, il y avait comme un sentiment de trahison parce qu'on avait travaillé très fort et là, on n'était pas parvenu à des résultats. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très, très triste là-dedans, comme un genre d'échec, puis un genre de sentiment de ben, j'abandonne tout parce que quelque part, j'arriverai jamais à rien, on ne me reconnaît pas, on ne me valorise pas, on ne me donne pas de valeur, etc. C'est un peu comme ça que je perçois ça. Puis, il y a toujours ce besoin d'amour qui est présent à quelque part. Puis, je sens beaucoup ce besoin d'amour qui se manifeste dans le bas de son corps. Alors, il est dans la terre, mais c'est comme si là, je sentais que il ressortait du sol et il y avait comme ce travail au niveau du ventre et du bassin qui était nécessaire pour justement lui faire du bien, comme renouer contact avec ses jambes aussi. C'est un peu comme développer le jugement. Développer le jugement, c'est que quand on est très intelligent et qu'on a du jugement, on comprend quelque part qu'on peut faire des actions, on peut faire des choses qui peuvent être dangereuses. Et quand on a du jugement, on comprend que quand c'est dangereux, on n'a pas resté là, on a à partir, on a quitté. On n'a pas à être en interaction avec des gens qui vont nous faire du mal si on a compris justement que par le jugement que ce n'était pas nécessaire d'être là. Et j'ai l'impression que justement, c'est ça que cet individu-là semble t'exprimer à toi, Lydie. C'est que c'est comme s'il disait justement qu'il y avait un manque d'intelligence chez lui, mais ce manque d'intelligence-là se trouvait chez toi aussi. Et c'était beaucoup relié à ce discernement-là. Le discernement, c'est apprendre à se protéger des autres. Apprendre à se protéger des autres, c'est arrêter d'être dénigré par les autres. Arrêter d'être perçu comme étant quelqu'un qui n'est pas à la hauteur par rapport aux autres. Et j'ai l'impression que de ton côté, ce que je sens, c'est comme une grande protection au niveau de ta tête, comme si je sentais tes mains avec beaucoup d'amour se diriger vers ta tête. Comme si elle a besoin de te protéger de tes pensées, te protéger à quelque part de beaucoup de choses négatives que tu peux t'adresser à ton égard, parce que tu as l'impression que l'extérieur peut facilement te poser un regard négatif. Et tu vas le cultiver toi-même en te donnant l'impression que c'est facile pour toi de sombrer dans ce négatif-là, toi. Et c'est ça un peu que je perçois de ça. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, OK? Et puis, c'est donc, finalement, ce qu'on sentait, c'est que il y avait comme un tête-à-tête, c'est comme ça que je pourrais l'écrire, entre ce personnage-là et toi, qui se faisait comme s'il y avait comme un échange qui s'effectuait. Et il y avait comme une espèce d'explosion au niveau de la tête qui s'effectuait. L'explosion, mais c'est un peu comme trahison, 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 comme s'il y avait vraiment une émotion de trahison qui vous liait vraiment. La trahison, quelque part, c'est vraiment le sentiment que nous, on est très intelligent, mais quelque part, on ne s'est jamais senti reconnu et valorisé par qui que ce soit. Donc, on a beau être intelligent, on n'a jamais été reconnu. Donc, on a l'impression quelque part qu'on sait qu'on est intelligent, mais en même temps, on sait qu'on ne l'est pas puisqu'on n'a jamais été reconnu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été valorisé. Donc, une espèce de grand drame intérieur là-dedans. Le drame, c'est que je suis intelligent, mais je ne serai jamais reconnu. Et parce que je ne suis pas reconnu, je dois toujours faire semblant de ne pas être intelligent. Alors, c'est un peu comme, je sens comme une forme de dénigrement à son égard. Le dénigrement, on le fait sur soi, mais c'est un peu comme si l'extérieur nous reflétait aussi ce dénigrement-là, qui faisait que parce qu'on a manque de jugement, on accepte d'être dans une situation comme celle-là. Je ne sais pas si tu me suis, Lydie, par rapport à ça. Tu me suis toujours, bon, ok, c'est bien.
Et tu vois, c'est un peu comme si je sentais comme un guide qui intervenait dans la scène. Alors, le guide en question, c'est simple, c'est comme s'il allait mettre ses mains sur ta tête et il mettait de la lumière sur ta tête. Et en mettant de la lumière, la première chose qu'on sent, c'est qu'il y a énormément d'éliminations qui se font par les voies intestinales. Comme s'il y a quelque part au niveau de ton nez, tes intestins, c'était au niveau du cœur puis vers le bas, donc par rapport aux intestins, par rapport à tout le système digestif, comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas d'une façon harmonieuse au niveau digestif. Et qui avait vraiment besoin, tu sais, quand on dit ça me fait chier, des choses qui me font chier, qui me dérangent, que je n'aime pas, que je n'accepte pas. Comme si on avait besoin, quelque part, de se dégager de tout ça. Puis de se dégager de tout ça, c'est comme des pleurs aussi, comme beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, parce que des choses qui nous font chier, mais comme on n'a pas été reconnu, on n'était pas valorisé, on n'a pas été accueilli, ben, quelque part, ça a beau nous faire chier, on les endure quand même. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qu'on est en train d'apprendre à faire actuellement, c'est de se dégager progressivement de tout de toute cette tension qu'on a cultivée en dedans de nous et qui est reliée beaucoup à je suis pas bien, mais je reste dans ma merde quand même. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'on parlait de discernement, c'est d'oser commencer à croire en un potentiel évolutif qui est en nous, de finalement constater que je suis intelligente et j'ai le droit d'assumer cette intelligence-là. Ça ne veut pas dire que ça fait de moi une personne prétentieuse, ça fait de moi simplement une personne qui demande à quelque part d'être reconnue dans cette intelligence-là. Et ça implique quoi? Mais ça implique évidemment qu'on se retrouve avec des gens qui vont être capables donc d'apprécier qui nous sommes, qui vont être capables de le valoriser, qui vont être capables de finalement mettre en lumière que nous sommes une personne intelligente. Et qu'à partir du moment qu'on est entendu et reconnu là-dedans, c'est un peu comme s'il y avait une forme de guérison qui allait pouvoir s'opérer. Mais ça nécessitait qu'on se protège de toute forme d'individu qui pourrait nous refléter l'inverse de ce que nous on est finalement. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Lydie. Tu commences à t'ouvrir davantage à tout ça. Oui, bien sûr. Bon, tant mieux, c'est bien. Alors, toi, c'est ça un peu le travail qui va être fait. Puis, comme on l'a vu, quand on regardait les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, on a vu évidemment qu'il y avait donc l'aspect déprogrammation, qu'on pouvait faire un travail sur soi par rapport à ça. On a vu également qu'il est le créateur crée. Alors, on voit évidemment que quand j'interagis avec ta mémoire, avec la mémoire personne d'autres vies et toi, bien évidemment, on constate quelque part qu'il y a des choses qui se créent. C'est-à-dire qu'il y a un comportement nouveau qui se crée, qui est celui dans lequel la femme qui s'appelle Lydie cherche à se respecter davantage, tu vois. Il y a le guérisseur soigne dont j'ai parlé tantôt, donc on va peut-être faire une petite intervention pour voir comment ça pourrait se manifester chez toi maintenant. C'est comme si je sentais que tu me disais je m'aime et plus personne maintenant va me dire quelque part, va m'humilier à quelque part. Donc, on sent une forme de fierté, puis une fierté qui t'amène à te tenir debout. Et te tenir debout, ça signifie justement de dire j'en ai assez, de faire semblant d'être stupide, de faire semblant de faire comme si rien n'était, tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui avait appris à jouer en dessous de sa capacité. Et que là, quand on fait le travail énergétique, on sent quelque part que l'énergie se déploie de ton bassin, entre autres, vers la région de ton cœur, de la gorge. Il y a un grand besoin de déploiement qui se manifeste à cet endroit-là et qui t'amène donc à avoir cette forme de valorisation qu'on pourrait presque dire une valorisation reliée à la fierté. J'apprends à être fier de moi, à reconnaître que j'ai le droit d'être qui je suis, à me donner la permission de commencer à communiquer ce que j'ai à exprimer aussi, parce que tu as des idées originales, tu as une forme de créativité qui est en toi, qui pourrait être associée à de l'écriture, entre autres, que tu pourrais faire. Et tout ça, c'est un besoin de le manifester, de commencer à te donner la permission de faire valoir cette intelligence-là. Une intelligence qui est particulière, mais qui est là, et qui te permet donc de manifester ta différence, et de faire valoir quelque part que tu n'as plus envie de porter la plaie sur cette tête-là. Parce que cette plaie-là est le reflet de justement l'interdiction d'être intelligente. Et l'interdiction, quelque part, d'être la femme qui est fière d'elle aussi. Tu vois, c'est un peu comme ça que je pourrais te dire ça aussi. Puis, tu vois, le cinquième point qu'on parlait, c'était l'observateur qui intègre. Alors, l'observateur qui intègre, mais c'est toi, à ce moment-là, qui apprends justement à intégrer le travail qu'on est en train d'effectuer. De quelle façon que tu vas faire ça? Bien, évidemment, c'est en te donnant la permission de commencer à soutenir le travail qui est effectué. Et comment peut-on soutenir ce travail-là? C'est clair qu'il va falloir que tu apprennes à te regarder dans le miroir chaque jour pour commencer à te parler de ta fierté.
la fierté de la femme qui est intelligente, qui est en toi, que tu reconnais, que tu valorises, que tu as envie de soutenir aussi, d'apprendre à soutenir devant les autres êtres humains. C'est pas être prétentieuse, c'est simplement manifester qui nous sommes. Et parce qu'on s'aime, on a le droit de dire des choses, on a le droit d'exprimer ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a comme intelligence, tout comme d'autres êtres humains le font, naturellement. C'est un processus qui est normal. Et je pense que c'est quelque chose que tu n'as pas appris à faire. Donc, je pense que pour intégrer, ça serait intéressant pour toi d'appliquer cela également. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lydie, maintenant. Je te parle beaucoup, je suis en chemin. Effectivement, bien, c'est sûr que tout le travail qu'on vient de faire, évidemment, c'est quelque chose qui demande du temps dans le monde de la matière pour favoriser la transformation. Mais dans le monde subtil, en faisant ce travail-là, on réorganise ton champ énergétique. Et en réorganisant ton champ énergétique, il peut avoir des impacts, évidemment, dans la matière. Alors, c'est ça un peu qui était les 5 étapes. Hein? On l'a fait un petit peu avec toi, les 5 étapes qui permettent peut-être de mieux comprendre pour les gens qui assistent à la conférence comment on peut arriver à développer ce voyage dans les années akashiques. Alors, peut-être un dernier moment pour vous les rappeler. Il y a un voyage donc, qu'on effectue après s'être enraciné. On fait ce voyage dans cet univers subtil-là. Et en faisant ce voyage-là, on découvre qu'on peut découvrir donc, une conscience énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle dans toute chose. On commence à comprendre quelque part que dans ces voyages-là, on constate que les manifestations qu'on se présentait à nous peuvent être animées par des mémoires limitatives ou expansives. On apprend par le décodage des programmations et soins, à libérer les limitations pour qu'elles deviennent de plus en plus évolutives. On développe donc le créateur qui crée. Le créateur qui crée, c'est celui justement qui se permet justement de donner à la conscience toutes les opportunités pour qu'il y ait effectivement une forme d'évolution qui puisse en résulter. Et on va donc soigner pour chercher justement à amplifier le travail de rééducation l'inconscient pour le soutenir, pour amener une transformation qui vont favoriser l'intégration, donc l'observateur qui intègre le changement dans lui. Et c'est comme ça que le travail de vos analyses akashiques va avoir un impact fort intéressant sur soi dans notre cheminement de vie pour évoluer et progresser. Donc avant de terminer, j'aimerais savoir si vous auriez des questions maintenant que vous aimeriez me poser sur l'un ou l'autre des sujets. Alors, bienvenue Lydie. Donc, voilà, alors c'était la conférence. Alors, j'espère, je m'excuse pour les petits problèmes techniques que vous avez peut-être pu rencontrer, mais sachez que vous allez avoir donc le replay qui va être mis en ligne demain sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez bien dormir ce soir. Et donc, demain, si vous allez sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive dans le site youtube.com, vous allez pouvoir visionner cette conférence-là. Sinon, vous allez recevoir en lien par mail la conférence durant le week-end. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 18 juin pour me faire simplement faire part d'un petit mail que vous pouvez m'envoyer en me disant que vous êtes intéressé à vous inscrire à l'une ou l'autre des formules. Et à ce moment-là, moi, je vous confirme le prix et on se met d'accord pour simplement la façon de procéder. Puis on y va comme ça, puis il n'y a pas de problème. Donc, vous allez bénéficier d'un meilleur prix de cette façon-là. C'est pour ça que je vous propose de procéder ainsi. Donc, voilà, voilà. Alors, tant mieux pour ceux qui ont apprécié. Béatrice me dit que c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, mais tant mieux si vous avez apprécié. J'ai apprécié à vous transmettre cette petite conférence et j'espère que vous allez donc pouvoir en profiter et de commencer peut-être à découvrir cet univers de l'analyse akashique. Sachez cependant que pour arriver à le faire, bien évidemment, c'est toujours bien intéressant de pouvoir justement développer une pédagogie pour être capable de se sentir de plus en plus à l'aise dans cet univers-là. Alors, c'est évident que l'enseignement a lieu un petit peu pour ça. C'est pour aider justement à être capable de pouvoir accéder à toutes les applications possibles de la pleine conscience intuitive. Donc, voilà, voilà. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci et au revoir.